la riposte. Ah, très bien. Oui, parce qu'ici, il faut attendre trop de temps. Hola. Hola, hola. Probando. ¿Se escucha? Ahí está bien. Muy bien. ¿Ahí? ¿Sí? No. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto tenerlos, tenerlas aquí. Que sea Philippe quien convoque este espacio, uno más de los que propone la UNIPE de formación. Un saludo a todos los que están aquí, un saludo a los que nos ven por streaming. Tenemos colegas en Santa Cruz, tenemos colegas en La Pampa, tenemos colegas en Río Negro que nos están viendo, que van a escuchar a Philippe. Así que saludo también para todos ellos. Dos, tres cositas solamente para comenzar. Esto es parte de las actividades. Ustedes saben, la UNIPE nace, muchos lo están aquí, conocen la UNIPE de su origen, otros no, así que aprovecharé cinco minutos para presentar a la UNIPE. UNIPE nace como una universidad provincial que se nacionaliza en un momento complejo de la Argentina, hace un año y poco más. Por eso no tenemos un edificio propio, porque estamos construyendo la UNIPE Nacional, por eso los invitamos aquí. Pedimos disculpas por las dificultades con la inscripción, pero ha sido, bueno, Philippe es un señor muy convocante y nos ha, hemos hecho algunos movimientos para que podamos estar todos los que estamos cerca juntos. La UNIPE, entonces, es una universidad que nace, además, básicamente para posgrados, más allá de que luego ha extendido su actividad también hacia formación de grado, y tiene en el panorama argentino una identidad que no tiene ninguna otra institución, que es que los posgrados son gratuitos, porque es su marco de origen, ¿no? ¿Cuál es particularmente complejo en este tiempo? En ese marco, la UNIPE tiene maestrías, tiene especializaciones, aquí hay coordinadores de especializaciones, colegas de cursos en especializaciones y maestrías, y en ese panorama nace la maestría en políticas públicas en educación, está haciendo su trámite en el Ministerio de Educación, que tiene ya la aprobación de la CONEAU, pero todavía queda un trámite administrativo para poder comenzarla formalmente, así que esperamos ese trámite que está en curso en el Ministerio de Educación. Digo esto porque, y ahí quiero hacer una aclaración, ustedes saben que este seminario tiene dos opciones. Una opción que es una opción de pedir. Siempre tiene el placer de venir a escuchar y a conversar con Philippe Meyer. Eso vale para todos los casos. Pero hay la posibilidad de llevar un certificado de asistencia por haber participado en los tres días, o también la posibilidad de aprobarlo como un seminario de posgrado. Quienes quieran hacer el seminario de posgrado, que vale para las ofertas de posgrado que tiene la UNIPE, tiene que anotarse especialmente para eso y haremos luego una actividad de continuación cuando termine el trabajo con Philippe. Hechas todas esas aclaraciones, da la bienvenida. Yo les quiero contar que la venida de Philippe Meyer, que es la tercera vez que viene a Argentina, es la tercera vez que motorizamos que venga a Argentina, en este caso era para la apertura de la maestría, que se ha retrasado un poco, por suerte Philippe no se retrasó. Entonces separamos ambas cosas. Pero digo, Philippe Meyer está en la Argentina porque lo trajo la UNIPE. En la generosidad de la institución UNIPE, estuvo en Río Grande,
estuvo en Córdoba, va a estar en Uruguay y a muchos lugares donde lo invitaron no le dio el cuero para ir esta vez. Así que bueno, todo eso como preámbulo para decir, tener tres sesiones de conversación con él me parece que es un tesoro. Bueno, ustedes ya lo van a decir. ¿Quién es Philip Mier? En general todos saben, han leído. Quiero decir dos o tres cosas nomás. Las vengo diciendo acá al lugar en el que me toca presentarlo. Pero no por eso tengo que dejar de decirlo aquí. Disculpen si alguien ya lo escuchó. Philip es un pedagogo que empieza su trabajo como profesor de escuela, que vuelve sistemáticamente a trabajar a las escuelas. Tuvo una discusión famosa en Lyon 2, su universidad, porque él, como parte de la investigación, quería ir a hacer un trabajo en una escuela y quería trabajar un año en una escuela. Le decían, pero si vos sos profesor universitario, vos no podés ir a trabajar como profesor en una escuela un año. Como... Bueno, ese es un debate que sintetiza un debate político-académico, ¿no? La relación entre las universidades, las escuelas, cómo pensamos la pedagogía. Bueno, Philip es, por otro lado, una vez en una entrevista que le hice, me dijo una cosa que siempre vuelvo a pensar, que es, me dijo, yo escribo libros, me dijo, la academia subestima, no sé si era exactamente así, la academia subestima el esfuerzo que uno pone en decir las cosas de modo que sean más amigables para el conjunto de los educadores, y yo a eso le pongo mucho esfuerzo. Y después de eso, y les doy este consejo, leyendo libros de Philip hace... Y por una cosa que me contó una colega de Barcelona me dijo, armé un seminario de posgrado trabajando las notas a pie de un libro de Philip. Porque uno puede leer el texto y uno puede leer las notas a pie. Y son dos lecturas, una con un nivel de profundidad que abre otros caminos que la otra, ¿no? Muchos de los libros de Philip dicen, usted puede empezar por donde usted elija. Y eso también es una definición del modo en que Philip escribe. Digo, 40 libros, libros que van por la edición número 25. Bueno, y la otra cosa, última que digo, es Philip es un gran polemista. Polemista en el sentido de el debate público educativo francés, sobre todo europeo, podríamos decir, pero sobre todo francés. Cada vez que en Francia hay una noticia importante educativa, como salió en PISA, Francia, que no le va bien como a nosotros, no nos va bien en PISA, uno lo encuentra a Philip en los diarios más reconocidos o en la televisión, poniendo allí una palabra de pedagogía y de política para discutir el sentido común que en general construyen los medios alrededor de esas noticias, ¿no? A mí me parece que esa combinación entre la profunda reflexión pedagógica y la militancia pedagógica en el sentido del valor del espacio público, del debate público, la confianza en que allí hay algo siempre para hacer, podría definirlo a Philip. Más está decirles, hace varios días que venimos aprendiendo con él. Me alegra que podamos compartir este momento. Nos encontramos miércoles, jueves, viernes, a la misma hora, en este mismo lugar, para seguir trabajando. La idea es que en todo caso haremos un cortecito en el medio para tomar algo fresco y continuar. Merci, Philippe.
Ustedes saben, lo primero que pidió fue un pizarrón. Buenas tardes a todas y todos. Soy muy feliz de estar con vosotros, ustedes. Sí. ¿Sí? Pero no habla bien español, como ve. Je vais parler français, donc. Voy a hablar en francés, entonces. Pour ne pas abîmer votre belle langue. Para no arruinar su bello idioma. Nous allons donc nous retrouver trois fois pour ce séminaire. Vamos a encontrarnos entonces tres veces para este seminario. Et j'aimerais que ces trois rencontres soient l'occasion d'échange. Me gustaría que estos tres encuentros sean una ocasión para el intercambio. J'ai évidemment préparé un contenu conformément à ce que m'a demandé Alexandra. Preparé un contenido de acuerdo a lo que me pidió Alejandra. Mais je suis prêt à l'adapter et à travailler en fonction de vos demandes. Pero estoy listo a adaptarlo y a trabajar en función de las demandas de ustedes. Donc n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. No duden entonces en interrumpirme para hacerme preguntas. N'hésitez pas à m'interrompre pour faire des objections. No duden interrumpirme para hacerme objeciones. Ou demander des précisions. O pedir precisiones. Ou faire état d'expériences ou de travaux de recherche dans lesquels vous êtes engagé. O contar experiencias de investigación en las que ustedes estén involucrados. J'ai programmé l'organisation de ces trois séances sur trois thématiques particulières. Preparé este seminario sobre tres temáticas particulares. La première thématique dont je vais parler ce soir tient à l'épistémologie de la pédagogie. La primera temática de la cual yo voy a hablar hoy es la epistemología de la educación. Pas de l'éducation, de la pédagogie. De la pédagogie, pardon. Hein? De la pédagogie. L'épistémologie des discours pédagogiques, plus la, exactement. La etimología del discurso pedagógico, especialmente. Et je m'interrogerai avec vous sur comment sont construits les discours pédagogiques, ce qu'ils signifient et comment on peut les interpréter. Entonces, me preguntaré junto con ustedes cómo se construye ese discurso pedagógico. Nous aurons une deuxième séance demain sur les rapports entre la pédagogie et la science. Tendremos un segundo encuentro mañana sobre la relación entre la pedagogía y la ciencia. Et je m'attacherai plus particulièrement au rapport entre la pédagogie et les sciences cognitives. Y me detendré especialmente en la relación entre la pedagogía y la ciencia cognitiva. Et en particulier au sein des sciences cognitives sur la pédagogie et les neurosciences. Y en particular en el seno de las ciencias cognitivas sobre la neurociencia, las neurociencias. Et puis nous aurons une troisième séance. Luego tendremos un tercer encuentro. Qui sera à la conjonction de la pédagogie et de la psychologie. Que estará en la conjunción entre la pedagogía y la psicología. Et qui s'interrogera sur la relation pédagogique telle qu'on peut la regarder au regard des défis de la modernité. Y que se preguntará por la relación entre pedagogía y psicología en el contexto actual de la modernidad. Alors, avant d'aborder le thème que nous avons prévu aujourd'hui, antes de abordar el tema previsto para hoy, et comme nous allons travailler ensemble pendant trois jours, como vamos a trabajar juntos durante tres días, je souhaitais consacrer quelques minutes à vous expliquer mon itinéraire personnel. Yo quisiera consagrar algunos minutos a explicarles mi itinerario personal. Et en particulier mon itinéraire de recherche. En particular mi recorrido en la investigación. Parce que je crois qu'il est très important de pouvoir comprendre comment ont émergé un certain nombre d'idées dans la recherche. Porque creo que es importante que ustedes puedan ver cómo han emergido una cierta cantidad de ideas a partir de la investigación. Comment ces idées ont été discutées, ont été validées. Cómo esas ideas fueron discutidas y validadas. Et comment on a pu évoluer à l'intérieur de sa propre recherche pour en arriver à un certain nombre de conclusions provisoires qui sont celles que nous avons aujourd'hui.
y cómo han evolucionado para llegar a un cierto número de conclusiones de las que hablaremos hoy. Alors pour ma part, j'ai commencé à enseigner assez tôt. Yo empecé a enseñar muy pronto, muy temprano. Et j'ai commencé à enseigner dans la mouvance de ce que nous appelons en France l'éducation nouvelle. Y empecé a enseñar en la movida que nosotros llamamos en Francia la educación nueva. Est-ce que l'expression d'éducation nouvelle est utilisée aussi également en Argentine? Esta expresión es utilizada en Argentina también. Alors, nous nous désignons par éducation nouvelle. Nosotros designamos por educación nueva. Un mouvement qui est né à la fin du 19e siècle. Un movimiento que nació al fin del siglo XIX. Qui est né en Angleterre précisément. En Inglaterra precisamente. Et qui s'est structuré en 1921 dans un grand congrès. Que se estructuró en 1921. Qui était le congrès de Calais. Que es el movimiento de Calais, la ville de France qui s'appelle Calais. Dans ce congrès de 1921, en ese congreso de 1921, il y avait des gens aussi différents que Maria Montessori. Había gente de todo tipo, entre ellas María Montessori, qui à l'époque d'ailleurs était surtout une spécialiste de la catéchèse. Que en esa época era sobre todo una especialista en catequesis. Et qui coexistait avec Neil, le fondateur de Summer Hill. Et qui coexistait avec Neil. Qui le fondateur de l'école de Summer Hill. El fundador de la escuela de Summer Hill. Summer Hill, qui était un disciple de Jung. Un discípulo de Jung. Du psychanalyste Jung. Psychanalyste Jung. Et un libertaire. Y un libertario. Particulièrement provocateur. Particularmente provocador. Il y avait aussi dans ce groupe. Estaba también en ese grupo. Des gens comme Piaget. Gente como Piaget. Comme Ferrière. Como Ferrier. Comme De Croly. Comme De Croly. Il y avait des gens comme Hélène Kay qui. Como Hélène Kay. Qui avait proclamé que le XXe siècle serait le siècle de l'enfant. Que había proclamado que el siglo XX iba a ser el siglo de los niños, del niño. Les idées de l'éducation nouvelle avaient émergé. Las ideas de la educación nueva habían emergido. À la fin du XIXe siècle. Al final del siglo XIX. Comme une révolte et un refus. Como un rechazo. De la forme scolaire traditionnelle. De la forma escolar tradicional. La première école nouvelle que nous connaissons a été fondée à côté de Londres en 1889. La primera escuela nueva que conocemos fue fundada cerca de Londres en 1889. Par un pasteur protestant. Por un pastor protestante. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que ce soit un pasteur protestant. No fue por azar, por casualidad que fuera un pastor protestante. Parce que l'éducation nouvelle est très liée à un refus de. Porque la educación nueva está muy ligada a un rechazo. De la du modèle sacramentel catholique. Del modelo sacramental católico. Qui était dominant en éducation. Que era dominante en la educación. Pendant tout le 19e siècle. Durante todo el siglo XIX. Vous savez qu'il y a une opposition très forte en Europe entre les catholiques et les protestants sur la question éducative. Saben que hay una disputa muy fuerte en Europa entre católicos y protestantes por la cuestión educativa. Et cette question s'est concrétisée très tôt dès l'émergence du protestantisme. Esa cuestión se concretizó muy pronto a partir del origen del protestantismo. Autour du rapport au livre. En torno a la relación con los libros. Les catholiques n'avaient pas le droit de lire la Bible. Los católicos no tenían el derecho de leer la Biblia. Ils lisaient un missel. Leían un misal. Qui était un choix de texte. Que contenía una elección, una selección de textos. Qui avait été sélectionné par les clercs et qui devait être présenté et interprété par le prêtre. Que habían estado elegidos por los seleccionados por los sacerdotes y que debían ser leídos e interpretados por los sacerdotes. Les protestants et même ceux qui ont précédé le protestantisme comme Valdo ou Jean Hus.
Los protestantes, incluso aquellos que habían precedido al protestantismo, ont affirmé que les fidèles ont le droit d'accéder à la Bible. Afirmaban que los creyentes tenían el derecho, los fieles tenían derecho a acceder a la Biblia. Et ils ont traduit la Bible en langue vernaculaire. Y tradujeron la Biblia en lengua vernácula. En France, pendant les guerres de religion, les guerres contre les protestants. En Francia, durante las guerras de religión contra los protestantes. Quand quelqu'un était trouvé en possession de la Bible. Cuando alguien era encontrado con una Biblia. Il était considéré comme hérétique et était tué. Era considerado hereje y era asesinado. Puisque la possession de la Bible. Ya que la posesión de la Biblia était considérée comme une trahison de l'autorité du prêtre. Estaba considerada como una traición de la autoridad sacerdotal. Et s'est développé dans toute l'histoire du protestantisme ce rapport au texte très particulier. Entonces se desarrolló a lo largo de todo el protestantismo esa relación con los libros. En particular, au texte et à l'ensemble des textes, con los textos y con el conjunto de los textos, qui est une relation beaucoup plus horizontale que la relation verticale qui était promue par le catholicisme. Que es una relación más horizontal, diferente de la relación vertical que existe en el catolicismo. Dans le protestantisme, et en particulier dans le protestantisme pédagogique tel qu'il a été proposé par le célèbre pédagogue Comenius. En el protestantismo y particularmente en el protestantismo que ha sido promovido por el célèbre Comenio. Comenius Komenský, qui était un évêque tchèque. Era un monje, un évêque protestant. Un clérigo protestante. Comenius considérait que tout le monde devait pouvoir accéder à la totalité des textes. Comenio consideraba que todos debían poder acceder a la totalidad de los textos. Et que le maître était au service de l'accès de l'élève au texte. Y que el maestro debía estar al servicio del acceso del alumno a los libros. Ça a été aussi le sens de la grande création de l'école publique en France qui a été faite par des protestants. Ese ha sido el sentido de la creación de la escuela en Francia que ha sido creada por protestantes. Protestants qui considéraient que l'accès à la lecture. Protestantes que consideraban que el acceso a la lectura était le principe même de l'accès à la citoyenneté. Era el acceso, el principio de acceso a la ciudadanía. Parce que lire, c'est pouvoir aller vérifier par soi-même. Porque leer es poder ir a verificar por uno mismo. Et c'est donc s'émanciper de l'autorité du prêtre, du clerc et de tous ceux qui prétendent détenir le savoir. Y entonces emanciparse así del clérigo, de la iglesia, que es la que se supone que detenta el saber. C'est pour cela qu'il n'est pas étonnant que l'éducation nouvelle soit née dans la mouvance du protestantisme. Por eso no nos sorprende que la educación nueva haya surgido en el contexto del protestantismo. L'éducation nouvelle se construit en luttant contre un modèle qui est le modèle de l'instruction comme sacrement. La educación nueva se construye enfrentándose al modelo de la educación como sacramento. Dans le modèle catholique, l'éducation consiste à transmettre des savoirs comme on transmet un sacrement à des fidèles. En el modelo católico, la educación es concebida como la transmisión de un saber como sacramento a los católicos. Alors que dans la conception protestante, le savoir se construit dans l'interaction entre les personnes. El saber se construye en la interacción entre personas. Et le savoir se construit dans la confrontation avec les textes. Y el saber se construye en la confrontación con los textos. Et à la confrontation avec le monde. Y en la confrontación con el mundo. La première école nouvelle qui a été fondée par Cécile Rédy, par le pasteur Cécile Rédy. La primera escuela nueva que fue fundada por el pastor Cécile Rédy. Était une école où il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de leçons, pas d'enseignement. Era una escuela donde no había cursos, no había lecciones, no había enseñanza.
Les élèves travaillent. Los alumnos trabajaban. Et ils font de la géométrie en arpentant les terres de la ferme. Hacían geometría midiendo los límites de la granja, por ejemplo. Ils étudient les lois de la physique. Estudiaban las leyes de la física. En organisant l'irrigation des terrains. Organizando la investigación de la irrigación de terrenos. Ils étudient le langage en écrivant un journal. Estudiaban lenguaje escribiendo un periódico. Ils étudient l'histoire en préparant une pièce de théâtre sur l'histoire du village. Estudiaban historia preparando una obra de teatro sobre la historia del pueblo. C'est-à-dire qu'ils travaillent et c'est à partir de ce travail que doit émerger le savoir. Es decir, que ellos trabajaban y era a partir de ese trabajo que debía emerger el saber. Ça, c'est l'éducation nouvelle telle qu'elle apparaît à la fin du 19e siècle. Esa es la educación nueva tal como aparece al final del siglo XIX. Elle apparaît ainsi dans le sillage ou dans la continuité du célèbre philosophe Jean-Jacques Rousseau. Aparece así en la continuidad del célebre filósofo Jean-Jacques Rousseau. Et de son principal disciple qui a cherché à mettre en place ces théories, qui est Pestalozzi. Y de su principal discípulo que intentó implementar su filosofía, que es Pestalozzi. Mais cette éducation nouvelle va rester jusque dans les années 1914. Pero esta educación nueva va a permanecer hasta los años 1914. Limitée à quelques toutes petites initiatives. Limitada a unas pequeñas, pocas pequeñas iniciativas. Ce qui va provoquer un grand sursaut. Lo que va a provocar un gran sobresalto. C'est la Première Guerre mondiale. Es la Primera Guerra Mundial. Après la Première Guerre mondiale, después de la Primera Guerra Mundial, tous ceux qui avaient un peu travaillé dans le sens de l'éducation nouvelle, todos aquellos que habían trabajado un poco en el sentido de la educación nueva, se disent que ce n'est plus simplement une question pédagogique qu'il faut traiter. Se dicen que no es solo una cuestión pedagógica lo que hay que tener en cuenta. C'est une question qui concerne l'avenir de nos sociétés. Sino que es una cuestión que concierne el futuro de nuestras sociedades. Après la guerre de 1914-1918, l'Europe est ravagée. Después de la guerra de 1914-1918, Europa está devastada. Et la haine existe partout. El odio existe en todas partes. Et tous les pédagogues qui avaient chacun de leur côté milité pour l'éducation nouvelle décident de se rassembler. Todos los pedagogos que habían militado cada uno por su lado en la educación nueva deciden reunirse. Et ils décident de se rassembler pour mettre l'éducation nouvelle au service de la construction de la paix. Deciden unirse para proponer la educación nueva al servicio de la paz. Alors au congrès de 1921, el congreso de 1921, il y a quelques idées simples qui sont formulées. Hay algunas ideas simples que se formulan. La première idée simple, c'est que les enfants ne doivent pas être en concurrence les uns avec les autres, mais qu'ils doivent coopérer. La primera idea es que los niños no deben competir unos contra otros, sino que deben cooperar unos con otros. La deuxième idée, c'est que les enfants ne doivent pas subir l'enseignement d'une manière passive, mais doivent être actifs dans leurs apprentissages. La segunda idea es que los niños no deben padecer una educación pasiva, sino que participar de una educación activa. Et la troisième idée, c'est que cette éducation doit être la plus démocratique possible. Et la tercera es que esta educación debe ser lo más democrática posible. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne doit être tenu à l'écart de l'éducation. Es decir, ningún niño debe permanecer aislado, separado de la educación. D'une certaine manière, dès le congrès de 1921, l'idée d'école inclusive est déjà là. De alguna manera, en el congreso de 1921, la idea de la escuela inclusiva ya está presente. Donc ces principes-là
Entonces, vont esos principios se développer pendant l'entre-deux-guerres. Van a desarrollarse durante el periodo de entre las dos guerras. Mais il ne faudrait pas croire que tous les pédagogues de l'éducation nouvelle sont d'accord. Pero no hay que creer por esto que todos los pedagogos educadores de la educación nueva están de acuerdo. Ils sont d'accord sur ces trois principes seulement. Están de acuerdo solo sobre estos tres principios. La coopération, l'activité, l'actividad, l'éducabilité de tous. Y la educabilidad de todos. Mais après, ils sont en grand désaccord sur beaucoup de choses. Pero por otra parte están en un gran desacuerdo en otras cuestiones. Ils sont en désaccord idéologique, en désaccord religieux. En desacuerdo ideológico, religioso. Ils sont en désaccord pédagogique sur des éléments fondamentaux. Están en desacuerdo pedagógico sobre elementos fundamentales. Par exemple, ils sont en désaccord très grave sur la question du rapport de l'enfant avec les matériaux d'apprentissage. Por ejemplo, están en un gran desacuerdo respecto de la relación del niño con los materiales de aprendizaje. Maria Montessori construit des matériaux qui sont fabriqués. Maria Montessori construye materiales que son fabricados. Et qui sont élaborés en fonction de ce qu'elle a étudié comme étant les stades du développement, les périodes sensibles. Y elaborados en relación a lo que ella considera los estudios de los periodos sensibles del niño. Alors que Célestin Freinet, lui, pense que mientras que Célestin Freinet, il faut mettre l'enfant directement au contact avec la nature et les objets réels. Piensa que hay que poner en contacto a los niños en forma directa con la naturaleza y los objetos reales. Ce débat dans l'éducation nouvelle va être très vif. Ese debate en la educación, en el seno de la educación nueva, va a ser muy acalorado. Est-ce qu'il faut construire des outils spéciaux pour l'école ou est-ce qu'il faut mettre l'enfant en contact avec le monde réel? Hay que construir materiales específicos para la educación, para la escuela o poner al niño directamente en contacto con el mundo real. Ce débat n'est toujours pas tranché. Ese debate no ha sido salvado. Il n'est pas tranché, par exemple, sur l'enseignement des mathématiques. Por ejemplo, sobre la enseñanza de las matemáticas. Et les débats sur la méthode de Singapour, par exemple. Por ejemplo, el debate sobre el método Singapur. Sont des débats qui reflètent les débats qu'il y avait entre Maria Montessori et Célestin Freinet. Son debates que reflejan los debates que había entre María Montessori y Célestin Freinet. De la même manière, au sein de l'éducation nouvelle, del mismo modo, en el seno de la educación nueva, hay il y a un très grand débat qui va être très dur. Hay un gran debate que va a ser muy duro, muy difícil. Entre ceux qui pensent qu'il faut faire progresser l'enseignement public. Entre los que piensan que hay que favorecer la enseñanza pública. Ou ceux qui pensent qu'il faut créer des écoles nouvelles privées, mais qui soient parfaites. Y los que piensan que hay que construir escuelas nuevas, privadas, que sean perfectas. D'un côté, il y a ceux qui disent que le principe de l'école nouvelle, c'est l'école publique, c'est l'école pour tous. Algunos sostienen que el principio de la educación nueva es la educación pública, es la educación para todos. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent que on ne peut pas réaliser les objectifs de l'école nouvelle dans une école publique qui est rétrograde et conservatrice. Por otro lado, están los que dicen que la educación nueva no puede promover una educación pública que es retrógrada y conservadora. Il faut donc créer des écoles privées qui soient des écoles où on puisse tout de suite s'émanciper de la tutelle de l'État. Entonces, sostienen que hay que construir escuelas nuevas que se emancipen y privadas que se emancipen de la tutela del Estado. Et mettre en place une pédagogie nouvelle quasiment parfaite. E implementar una pedagogía nueva casi perfecta. Avec des enseignants qui sont tous convaincus. Que con docentes que están completamente convencidos. Et avec des parents qui ont choisi cette pédagogie. Y padres que han elegido esa pedagogía. Dans toute l'Europe, ce débat oppose les partisans de l'école unique. En toda Europa ese debate opone a los partidarios de la escuela única,
avec les partisans des écoles alternatives. Con los partidarios frente a los partidarios de la escuela alternativa. Les partisans de l'école unique essayent de faire progresser l'école publique. Los partidarios de la escuela única tratan de progresser hacer progresar la escuela pública lentement. Lentamente. Avec des oppositions, avec des difficultés. Con oposiciones, dificultades. Et les partisans des écoles alternatives. Los partidarios de la escuela de las escuelas alternativas. Et pensent que il vaut mieux tout de suite. Piensan que es mejor rápidamente. Créer des écoles parfaites. Crear escuelas perfectas. Et cette opposition est toujours très vivante dans le monde entier. Esta oposición está muy muy presente en el mundo entero, muy viva. Dans le monde entier, tous les militants pédagogiques sont divisés. En el mundo entero, todos los militantes pedagógicos están divididos. Entre ceux qui estiment qu'il vaut mieux aller lentement. Entre los que piensan que mejor es mejor ir lentamente. Et rester dans l'école publique et dans l'école pour tous. Y permanecer en la escuela pública y para todos. Et ceux qui pensent qu'il faut aller plus vite et créer des écoles alternatives tout de suite. Y los que piensan que hay que ir más rápido y crear escuelas alternativas. Des écoles où les enfants soient heureux. Escuelas donde los niños sean felices. Et des enfants où la pédagogie, des écoles où la pédagogie soit parfaite. Y escuelas donde la pedagogía sea perfecta. J'attire votre attention sur ce clivage. Yo llamo la atención de ustedes sobre este clivaje. Parce que ce clivage, il traverse l'éducation nouvelle. Porque este clivaje atraviesa la educación nueva. C'est-à-dire que au sein même de l'éducation nouvelle, es decir, que en el seno mismo de la educación nueva, il y a des partisans de l'école publique. Hay partidarios de la escuela pública. Et il y a des partisans du libéralisme scolaire. Y hay partidarios del liberalismo escolar. Avec à peu près les mêmes théories pédagogiques. Más o menos con las mismas teorías pedagógicas. Mais avec des stratégies radicalement différentes. Pero con estrategias radicalmente diferentes. Pour ma part, por mi parte, j'ai fait le choix de rester dans l'école publique. Yo he hecho la elección de permanecer en la escuela pública. Mais c'est un choix que parfois j'ai regretté. Pero es una elección que a veces lamento. Parce que dans l'école publique, parfois porque en la escuela pública a veces es muy difícil de faire une pédagogie véritablement progressiste. Hacer una pedagogía verdaderamente progresista. C'est très difficile parce qu'il y a des collègues qui sont pas d'accord, qu'il y a des inspecteurs qui sont pas d'accord. Es difícil porque a veces hay colegas que no están de acuerdo, hay inspectores que no están de acuerdo. Parce que la hiérarchie vous suspecte. Porque la jerarquía siempre sospecha. Parce que la hiérarchie vous évalue en permanence sur la jerarquía evalúa permanentemente. Sur ce que vous ne cherchez pas à faire d'ailleurs. Incluso sobre lo que uno no quiere hacer. Puisque vous cherchez à développer la liberté et l'émancipation et que la hiérarchie vous évalue sur des savoir-faire standardisés. Porque uno quiere desarrollar la libertad y la jerarquía evalúa sobre cuestiones estandarizadas. Donc je me suis engagé y compris politiquement pour faire progresser l'école publique. Entonces yo me comprometí para hacer progresar la escuela pública. Ça a été très difficile. Pero ha sido muy difícil. J'ai participé à des réformes de l'éducation nationale française. Participé en reformas de la educación nacional francesa. En particulier pour introduire l'entraide entre élèves. Particularmente para introducir la ayuda entre alumnos, le travail de groupe, el trabajo en grupo, la pédagogie du chef-d'œuvre, etc. La pedagogía de la obra de arte, une autre forme d'évaluation, otras formas de evaluación, mais ça a progressé très lentement. Eso progresó lentamente. Et quand il y a eu un changement, une alternance politique, y cuando hubo un cambio político, ça a été interrompu et tout est revenu en arrière. Todo eso fue interrumpido y se volvió todo para atrás. Alors j'ai des amis qui ont choisi eux de créer des écoles alternatives où ils ont pu faire une belle pédagogie. Y entonces tengo amigos que han elegido hacer en escuelas alternativas desarrollar una bella pedagogía, una hermosa pedagogía. Mais une pédagogie pour quelques enfants privilégiés. Pero una pedagogía para algunos alumnos privilegiados. Et donc je suis encore aujourd'hui
en difficulté pour choisir entre les deux voies. Y hoy todavía tengo dificultades para elegir entre las dos vías. Si je vous raconte cela, c'est parce que dans tout le monde entier, ce problème se pose. Les cuento esto porque en el mundo, en todo el mundo, estos problemas se plantean. Que dans tout le monde entier, les pédagogues se demandent s'il ne faudrait pas mieux sortir du système de l'enseignement public pour créer des écoles alternatives avec une pédagogie parfaite. Y en todo el mundo hay muchos docentes que se preguntan si no habría que salir del sistema alternativo para crear escuelas con una pedagogía perfecta. Et cela rend l'analyse politique des systèmes éducatifs extrêmement complexe. Y esto hace que el análisis de los sistemas educativos, el análisis político de los sistemas educativos sea muy complejo. Parce que vous avez des pays comme les pays du nord de l'Europe, par exemple. Porque hay países como los del norte de Europa. Où vous avez une pédagogie extrêmement progressiste. Donde vemos una pedagogía extremadamente progresista. Mais dans un système scolaire extrêmement libéral. Pero en un sistema escolar muy liberal. Où il y a une concurrence terrible entre les écoles. Donde hay una gran competencia terrible a veces entre las escuelas. Où il y a un recrutement des enseignants qui se fait par les chefs d'établissement sur des critères extrêmement sélectifs. Donde la selección de los docentes se realiza a partir de criterios sumamente selectivos con la intervención de los directivos de las escuelas. Et où vous avez une importance des parents extrêmement grande dans la gestion du système scolaire. Y donde los padres de los alumnos tienen una importancia muy grande en la gestión de los sistemas escolares, de los mecanismos escolares. Et donc j'attire votre attention sur un premier élément important. Entonces llamo la atención de ustedes sobre un primer elemento un élément de la complexité de la situation historique que nous vivons. Un elemento principal de la complejidad histórica que estamos viviendo. C'est que le progressisme pédagogique peut faire alliance avec l'ultra et le néolibéralisme. Es que el progresismo pedagógico puede aliarse con el ultra y con el neoliberalismo. Et que, en même temps, et c'est d'une certaine manière la symétrie. Y al mismo tiempo la simetría, ¿no? Oui. C'est que le conservatisme pédagogique. Entonces el conservadurismo pedagógico peut, dans certains pays comme la France, devenir un outil de défense de l'école publique. Puede transformarse en un una herramienta de defensa de la escuela pública. Et que donc il n'y a pas identité entre progressisme pédagogique et progressisme politique. Y entonces no hay identidad entre progresismo político y progresismo pedagógico. Et que il faut regarder les situations d'une manière extrêmement fine. Y hay que mirar muy de cerca y muy finamente las situaciones pour savoir comment les systèmes éducatifs vont pouvoir évoluer? Para saber de qué manera los sistemas educativos van a poder evolucionar. Est-ce que on va aller vers des systèmes concurrentiels et libéraux avec une pédagogie progressiste? Vamos a ir hacia sistemas competitivos y liberales con una pedagogía progresista? Ou est-ce qu'on va aller vers des systèmes étatiques avec une pédagogie conservatrice. Sistemas estatistas con una pedagogía conservadora. Et peut-être que nous allons aller vers les deux. A lo mejor iremos en las dos direcciones. C'est-à-dire que nous allons voir les systèmes étatiques se crisper sur des pédagogies conservatrices. A lo mejor vamos a ver a los sistemas estatizantes o estatales crisparse sobre las pedagogías conservadoras. Ce qui va légitimer l'émergence d'écoles alternatives avec des pédagogies progressistes. Lo que va a legitimar la emergencia de escuelas alternativas con pedagogías progresistas. Et cela est vrai dans tous les pays développés. Y esto es cierto para todos los países desarrollados. Depuis les pays du nord de l'Europe jusqu'aux États-Unis.
desde los países del norte de Europa hasta los Estados Unidos. De l'Australie jusqu'au Mexique. Desde Australia hasta México. C'est la même évolution et c'est la même problématique. Se da la misma evolución y se presenta la misma problemática. Donc je ne sais pas si c'est la même problématique en Argentine. No sé si es el mismo la misma problemática en Argentina. Mais il faut savoir que un peu partout dans le monde, c'est cette problématique qui commence à s'imposer. Pero hay que saber que en todas partes en el mundo esa problemática se está imponiendo. Et que les progressistes en pédagogie vont devoir s'interroger sur leur stratégie à l'égard de l'école publique. Y que los progresistas en pedagogía van a deber tener necesidad de interrogarse sobre sus estrategias de escuela pública. Comment est-ce que nous sommes condamnés à aller camper dans les marges ou est-ce que nous pouvons espérer transformer le système? Tenemos que ir a acampar en los límites, en los márgenes del sistema o podremos quedarnos dentro de. Et c'est pas seulement vrai pour l'enseignement primaire et secondaire. Y esto no solo es válido para la enseñanza primaria y secundaria. C'est vrai aussi pour l'enseignement supérieur et l'université. Es válido también para la enseñanza superior y la universidad. Dans le monde entier, nous voyons le même mouvement dans l'enseignement supérieur. En todo el mundo vemos el mismo movimiento que se produce en la enseñanza superior. Avec des écoles et des instituts d'enseignement supérieur qui investissent le champ pédagogique, mais qui le font de manière sélective. Escuelas y de enseñanza superior que se comprometen con estos mecanismos, con este campo pedagógico, y que lo hacen de manera selectiva y privada. Y que lo hacen de manera selectiva et souvent privée. Y muchas veces privada. C'est pour ça que l'expérience de l'UNIP est intéressante. Por eso la experiencia de UNIP es interesante. Parce qu'elle est porteuse de valeurs progressistes en éducation. Porque es portadora de valores progresistas en educación. Mais comme l'a souligné Alexandra tout à l'heure, c'est dans une université nationale et gratuitement. Pero como lo dijo Alejandra hace un rato, eso se da en una universidad nacional y en forma gratuita. Alors, je vous ai dit cela simplement pour vous indiquer que les problèmes que nous rencontrons sont inscrits dans une longue histoire. Les dije todo esto para hacerles saber que los problemas que afrontamos se inscriben en el transcurso de una larga historia. Et si nous oublions cette histoire, nous risquons de devoir si olvidamos esta historia. Nous risquons de devoir en permanence nous reposer les mêmes problèmes. Nos arriesgamos a permanentemente plantearnos los mismos problemas, las mismas preguntas. Alors ça c'est pour le paysage éducatif en général. Esto en lo que hace al paisaje educativo en general. Je vais maintenant en venir plus précisément à mon itinéraire dans ce paysage éducatif. Ahora me voy a dedicar a mi itinerario dentro de ese paisaje educativo. Comme l'a dit Alexandra tout à l'heure, como lo dijo Alejandra hace un rato, j'ai commencé dans l'enseignement, yo empecé en la enseñanza, comme militant pédagogique de l'éducation nouvelle, como militante pedagógico de la educación nueva, et j'ai fait simultanément deux expériences. Y simultáneamente hice dos experiencias. Une expérience dans ma classe, una en mis propios cursos, et une expérience en tant que chercheur universitaire, puisqu'à côté de ma classe, je menais des travaux de recherche. Y otra como investigador, ya que en paralelo con mis cursos, llevaba adelante investigaciones a nivel universitario. La première expérience, je l'ai faite dans ma classe. La primera experiencia la hice en mis propios cursos. J'avais une classe particulièrement difficile. Tenía un curso, una clase particularmente difícil. Des élèves en très très grande difficulté cognitive et affective. Alumnos con una gran dificultad cognitiva y afectiva. J'avais une douzaine d'élèves. Tenía una docena de alumnos. Mais pour vous indiquer le niveau de difficulté, j'avais un élève qui déféquait tous les matins en arrivant dans la classe même. Pero para decirles más o menos cómo eran las cosas, había un alumno que todos los días al llegar defecaba en el fondo del curso, del salón.
Donc, c'était pas des élèves très faciles. No eran muy fáciles esos chicos. J'avais l'idéal de l'éducation nouvelle. Tenía en mí el ideal de la educación nueva. Et je pensais que tous les élèves étaient éducables. Pensaba que todos los alumnos eran educables. Je pensais que tous les élèves devaient pouvoir accéder au savoir. Pensaba que todos los alumnos debían tenían la posibilidad de acceder al saber. Et j'avais une obsession. Y tenía una obsesión. C'est que je voulais que tous mes élèves à la fin de l'année aient acquis la proportionnalité. Quería que a fin de año todos mis alumnos hubiesen adquirido la proporcionalidad. Parce que je pensais que la proportionnalité, c'était le seul outil mathématique véritablement utile dans la vie quotidienne. Porque yo pensaba que esa proporcionalidad era la única herramienta matemática matemáticamente útil en la vida cotidiana o para Et la vida cotidiana. C'est toujours la vérité, c'est l'outil mathématique de base. Es la herramienta matemática básica. Aussi bien pour aller faire son marché que pour comprendre les statistiques des sondages. Tanto para hacer las compras en el mercado que para comprender las estadísticas de las encuestas. Donc j'ai construit toute mon année autour de l'apprentissage de la proportionnalité. O sea que construí todo mi trabajo del año en torno al aprendizaje de la proporcionalidad. De las Ça a été très difficile. Fue muy difícil. Et à certains moments, j'ai failli devenir quasiment fou. Y en ciertos momentos pensé que me volvía loco. Parce que j'avais des élèves qui vraiment ne pouvaient pas. Porque había alumnos que realmente no podían. Alors, à certains moments, j'étais quasiment face à eux en disant mais tu la comprendras la proportionnalité, oui ou non? Porque yo sentía que me plantaba delante de ellos y les estaba por decir, ¿lo vas a entender esto de las proporciones, sí o no? Et à certains moments, j'ai dû pratiquement accepter l'idée que, bien sûr, tous les élèves étaient éducables, mais que je n'étais pas tout puissant. Y entonces tuve que, en algún momento, aceptar la idea de que, sí, todos los alumnos eran educables, pero yo no era todopoderoso. À peu près en même temps, más o menos al mismo tiempo, j'ai fait une expérience dans ma vie familiale, hice en mi vida familiar una experiencia qui a été très dure. Que viví una experiencia que fue muy dura. Ma fille aînée a été victime d'une agression sexuelle. Mi hija mayor fue víctima de una agresión sexual. Et à la suite de cela, elle a eu une très grave anorexie. Y como consecuencia de eso sufrió una anorexia muy grave. L'anorexie c'est une maladie très difficile à porter pour une famille. La anorexia es una enfermedad muy difícil de llevar, de soportar para una familia. Puisqu'il y a un enfant qui refuse de s'alimenter et qui exprime à chaque instant le désir de mourir. Porque hay un niño que a cada rato que rechaza la posibilidad de alimentarse y a cada rato expresa el deseo de morir. Et vis-à-vis de ma fille, j'avais à peu près la même colère que vis-à-vis de mes élèves qui ne voulaient pas comprendre la proportionnalité. Y frente a mi hija tenía más o menos la misma ira o sentía la misma ira que frente a mis alumnos que no entendían eso de la proporcionalidad. Et je disais à ma fille, mais tu vas manger, oui ou non? Y le decía a mi hija, ¿vas a comer, sí o no? Et si tu ne veux pas manger, je vais te gaver, je vais te forcer à manger. Y si no querés comer, yo te voy a obligar, te voy a embuchar. Mais ça ne marche pas. Pero no funcionaba eso. Ça ne marche pas parce que on ne peut pas soigner l'anorexie par le gavage. No funcionaba porque no se puede curar una anorexia embuchando al paciente. On ne peut pas soigner l'anorexie en obligeant l'enfant à manger. Ou obligando al niño a comer. C'est l'enfant qui a décidé de s'arrêter de manger. El niño decidió dejar de comer. Et c'est lui qui doit décider de recommencer à manger. Y él es el que debe decidir volver a comer. Donc je peux l'entourer, l'enfant. Je peux l'entourer de mon amour. Lo puedo rodear de niños, lo puedo rodear con mi amor.
Je peux l'entourer de mon affection, je peux de lui afecto, donner le puedo dar l'envie de vivre. Le puedo dar ganas de vivir. Je peux lui communiquer la joie, le désir de vivre. L'alegría, el deseo de vivir. Je peux l'aider à oublier les preuves que l'on a subies. Lo puedo ayudar a olvidar, a soportar, a superar esa prueba que vivimos todos. Mais je ne peux pas décider à sa place. Pero no puedo decidir por él. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit un livre qui a été très important pour moi. Y en ese momento escribí un libro que para mí fue muy importante. Que j'ai appelé en français Le choix d'éduquer. Que yo llamé, titulé en francés La elección de educar. Je crois qu'il est traduit en espagnol sous le titre La opción de educar. Creo que está traducido como La opción de educar en español. Et dans ce livre, qui est un livre philosophique mais très personnel dans sa genèse. Y en ese libro que es muy filosófico y muy personal en su génesis, j'explique ce que j'ai compris à la fois avec ma classe et avec ma fille. Explico ambas cosas, lo que entendí con mis alumnos y con mi hija. J'explique que bien sûr tous les enfants sont éducables. Explico que sí, por supuesto que todos los alumnos son educables. Mais ils ne sont pas éducables par une opération de fabrication. Pero no son educables a través de una operación de fabricación. Ils sont éducables à travers ma capacité à les inscrire dans des situations qui leur permettent de s'engager eux-mêmes. À travers de mi capacidad para inscribirlos en una situación que les permita educarse. Et c'est dans le prolongement de ce livre. Y en la prolongación de ese libro. L'option d'éduquer, le choix d'éduquer. La elección de educar. Que j'ai écrit le petit livre Frankenstein pédagogue. Et fue allí que escribí ese librito Frankenstein educador. Qui est un livre de vulgarisation par rapport au livre Le choix d'éduquer. Que es un libro de divulgación con respecto al anterior, al de la elección de educar. Où je montre que la volonté d'éduquer, ça n'est pas la volonté de fabriquer l'autre. Donde muestro que la voluntad de educar no es la voluntad de fabricar al otro. Ce n'est pas la volonté d'exercer son pouvoir sur l'autre. No es la voluntad de ejercer nuestro poder sobre el otro. C'est la volonté de créer des situations. Sino la voluntad de crear situaciones qui soient stimulantes, que sean estimulantes, qui soient intelligentes, que sean inteligentes, qui sont capables de donner à l'autre l'envie d'apprendre et l'envie de vivre. Y que sean capaces de susceptibles de dar al otro el deseo de aprender, el deseo de vivir. C'est pour cela que dans Frankenstein éducateur, je parle de passer d'une pédagogie des causes à une pédagogie des conditions. En Frankenstein educador hablo de pasar de una pedagogía de las causas a una pedagogía de condiciones. Dans la pédagogie des causes, l'éducateur est tout puissant et manipule l'éduqué. En la pedagogía de las causas, el educador es todopoderoso y manipula alumno. Il le fabrique comme le docteur Frankenstein fabrique sa créature. Lo fabrica como el doctor Frankenstein fabrica a su criatura. Dans la pédagogie des conditions. En la pedagogía de las condiciones. On est fidèle au message de Rousseau. Uno como recogiendo el mensaje de Rousseau. Dans sa fameuse formule de l'Emilio, une formule mystérieuse mais extrêmement importante. Una fórmula misteriosa pero sumamente importante. Quand Rousseau dit, jeune instituteur, je vous prêche un art difficile. Jóvenes, dice Rousseau, jóvenes educadores, yo les estoy predicando un arte difícil. C'est de tout faire en ne faisant rien. Es de hacerlo todo sin hacer nada. Je fais tout pour que l'autre apprenne. Hago todo para que el otro aprenda. Je fais tout pour que l'autre découvre la joie de vivre. Hago todo para que el otro
descubra la alegría de vivir. Je fais tout pour que l'autre découvre le bonheur de comprendre le monde. Hago todo para que el otro descubra la dicha de comprender el mundo. Je n'ai jamais fini d'améliorer les conditions. Nunca terminé ni terminaré de mejorar las condiciones. Mais c'est l'autre qui décide dans ces conditions-là. Pero es el otro el que va a decidir dentro de esas condiciones. Cette découverte, comme vous le voyez, como ustedes lo ven, pueden ver estas condiciones. Elle a été une découverte de mon expérience. Fueron un descubrimiento de mi propia experiencia. Et une découverte à la lumière, bien sûr, de philosophes et de lectures que j'ai pu faire, que j'ai eu la chance de faire à ce moment-là. Y un descubrimiento que se produjo a la luz de lecturas que tuve la suerte de poder hacer en aquellos momentos de distintos autores, filósofos y otros. Bien sûr, la lecture des pédagogues. De pedagogos, por supuesto. Mais la lecture de philosophes qui ont été très importants pour moi. Pero lectura de filósofos sobre todo que fueron muy importantes para mí. Comme Emmanuel Levinas, par exemple. Como Emmanuel Levinas. Qui dit le caractère sacré du sujet. Que habla del carácter sagrado del sujeto. Que je ne peux pas manipuler. Que yo no puedo, al que yo no puedo manipular. Sans le réduire à être une chose. Sin convertirlo en una cosa, sin reducirlo a ser una cosa. Et ça a été le premier travail qui a nourri tout mon engagement pédagogique. Y ese fue el primer trabajo que nutrió todo mi compromiso pedagógico. Je vous ai dit que j'avais fait deux expériences, une expérience personnelle avec ma classe et avec ma fille. Les hablé de dos experiencias, una experiencia personal con mi grupo clase y con mi hija. Et j'ai fait aussi une expérience universitaire en même temps. Y también hice al mismo tiempo una experiencia universitaria. J'étais toujours et j'étais et je reste partisan de l'éducation nouvelle et de la coopération. Yo fui siempre y sigo siendo partidario de la educación nueva y de la cooperación. De la coopération entre élèves et entre professeurs. Cooperación entre alumnos y profesores y docentes. Alors j'ai voulu chercher et regarder comment se passait la coopération quand des élèves étaient amenés à travailler en commun. Entonces busqué y traté de saber cómo se daba esa cooperación cuando había alumnos dispuestos y profesores dispuestos a trabajar en común. J'ai observé pendant 2 années y observé durante 2 años des centaines de groupes d'élèves au travail. Cientos de grupos trabajando, de alumnos trabajando. Des groupes d'enfants très jeunes. Alumnos muy, muy jóvenes, muy chicos. Des groupes d'adolescents, des groupes d'étudiants. Grupos de adolescentes y grupos de estudiantes más grandes. Et j'ai pu observer. Y pude observar. Que la coopération n'était absolument pas spontanée. Pude observar que la cooperación en ningún caso era absolutamente espontánea. J'ai même observé le contraire. Incluso observé lo contrario. J'ai observé que quand un professeur demandait à 5 élèves de se mettre ensemble pour faire quelque chose en commun, observé que cuando un profesor le pedía a 5 alumnos que se pusieran a trabajar juntos para hacer algo en común, par exemple un panneau, un exposé, un panel, una exposición X, ou une pièce de théâtre ou n'importe quoi d'autre, una obra de teatro o cualquier cosa. Eh bien, la coopération ne se passait presque jamais. Resultaba que la cooperación rara vez se daba. En général, si je demande à des élèves de faire un panneau sur un animal, par exemple. En general, si les pido a los alumnos que hagan un tablero, una lámina sobre un animal o varios. Ou sur un pays. O sobre un país. Eh bien, ils se répartissent les tâches. Se distribuyen los trabajos, las tareas. Celui qui a des images chez lui va les apporter. El que tiene imágenes en su casa las va a traer. Celui qui sait dessiner va dessiner. El que sabe dibujar va a dibujar.
Celui qui sait écrire va écrire. El que sabe escribir va escribir. Celui qui n'a pas d'image chez lui, qui ne sait pas dessiner et qui ne sait pas écrire, il fera rien. El que no sabe escribir ni tiene imágenes ni ninguna cosa de esas no va a hacer nada. Et heureusement qu'il fera rien. Y menos mal que no va a hacer nada. Parce que s'il faisait quelque chose, le panneau serait raté. Porque si hiciera algo, seguramente que haría fracasar la imagen o la lámina. Parce que si on veut que le panneau soit réussi, soit beau, si on veut que le panneau soit affiché dans la classe et que la maîtresse soit contente, la lámina sea bonita, sea atractiva y que la maestra o el maestro estén contentos, eh bien, il faut faire les travaux par ceux qui savent déjà les faire. Hay que hacer el trabajo por aquellos que ya saben hacerlo. Si on le fait faire par ceux qui ne savent pas le faire déjà, le résultat ne sera pas bon. El resultado va a ser bueno. Et donc j'ai été amené à partir de cette étude. Entonces, a partir de esa certeza, a revisiter, me puse a revisitar toute une série de travaux de psychologie sociale. Toda una serie de trabajos de psicología social. Et toute une série de travaux des psychologues interactionistes qui avaient succédé à Piaget. Una serie de trabajos de psicólogos interaccionistas que habían sucedido a Piaget. J'ai été amené à me demander quelle était la condition eso me condujo a preguntarme cuál pour era que la condición un groupe fonctionne d'une manière coopérative. ¿Cuál era la condición para que un grupo funcione realmente de manera cooperativa? Si je figure un groupe d'une manière rapide par ce schéma, si yo me figuro un grupo rápidamente a través de este esquema, là nous avons un fonctionnement coopératif. Acá tenemos un funcionamiento cooperativo. Ce que les spécialistes de psychologie sociale appellent un groupe et un fonctionnement homogène. Lo que los especialistas en psicología social llaman un funcionamiento de un grupo homogéneo. Si, or dans les groupes que j'ai observés, nous n'avons pratiquement jamais cela. En los grupos que yo observé no encontré prácticamente nunca esto. En général, on a un élève qui commande. En general tenemos un alumno que manda. Deux élèves qui obéissent. Dos alumnos que obedecen. Un élève qui ne fait rien. Un alumno que no hace nada. Bajo de todos. Et donc il n'y a aucun fonctionnement homogène. Nous sommes dans un fonctionnement hétérogène. Entonces no hay ningún funcionamiento homogéneo. Estamos frente a un funcionamiento heterogéneo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de progrès de chacun en fonction de l'implication de tous. Es decir, que no hay un verdadero progreso individual en función de la implicación de todos. Ce que j'ai été amené à étudier à ce moment-là, lo que me condujo a estudiar en ese momento, c'est quelles sont les conditions pour qu'il y ait ce fonctionnement-là. Era cuáles eran las condiciones para que ese funcionamiento se produjera. Ces conditions, j'en ai identifié trois. Yo identifiqué tres condiciones. Première condition, il faut s'assurer que chacun a quelque chose à apporter au groupe. Primera condición, hay que asegurarse que cada uno tenga algo para aportar al grupo. C'est-à-dire que chaque sujet est indispensable au fonctionnement collectif. Es decir, que cada sujeto sea indispensable para el funcionamiento colectivo. C'est que s'il y a un seul sujet qui ne participe pas, le fonctionnement collectif ne peut pas fonctionner. Lo que significa que si hay un solo sujeto que no aporta, no hay funcionamiento colectivo. Si je voulais prendre une image didactique pour exprimer cela, tomando una imagen didáctica para expresar esto, je dirais que pour avoir un fonctionnement homogène, te diría que para que haya un funcionamiento homogéneo, il faut que chaque élève ait un morceau du puzzle. Y es necesario que cada alumno sea una pieza de un rompecabezas. Un morceau du puzzle et que on ait besoin
de chaque morceau du puzzle pour faire le travail collectif. Un rompecabezas y que cada uno sea una pieza de ese rompecabezas para poder hacer el trabajo colectivo. Ça, c'est la première condition. Esa es la primera condición. La deuxième condition, c'est qu'il y ait un mode de fonctionnement. La segunda es que hay un modo de funcionamiento qui permette à chacun de s'exprimer. Que haya un modo de funcionamiento que permita a cada uno expresarse. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, par exemple, une personne. Es decir, que, por ejemplo, no haya una persona qui accapare à la fois la parole. Que acapare al mismo tiempo la palabra. Et le pouvoir. Y el poder. Et donc, il faut qu'il y ait une règle comme dans un jeu. Entonces es necesario que haya reglas, como en un juego. Mais dans un jeu de règles. Pero en un juego de reglas. Comme un jeu de cartes. Como un juego de cartas. Ou un jeu d'échecs. O un juego de ajedrez. Où chacun joue à son tour selon un protocole bien défini. Donde cada uno juega a su turno según un protocolo bien definido. Par exemple, j'ai plusieurs fois utilisé cet exercice avec des élèves ejemplo, de tous les niveaux différents d'ailleurs. Por ejemplo, muchas veces yo utilicé esto con alumnos de diferentes niveles, por ejemplo. Je prends un texte. Tomo un texto. Un poème, un texte de philosophie, un texte de pédagogie, un texte d'histoire, peu importe. Un poema, un texto de filosofía, de pedagogía, de historia, poco importa. Je découpe les phrases. Recorto las frases. Si le texte a 25 phrases, si el texto tiene 25 frases, je les mélange, las mezclo, et j'en donne 5 à chacun des 5 élèves. Y le doy 5 a cada uno de los 5 alumnos. 5 frases a cada uno de los 5 alumnos. Donc chaque élève a un cinquième du texte. Entonces, cada alumno tiene un quinto del texto. C'est la première condition. Es la primera condición. Mais pour que chaque élève réfléchisse, pero para que cada alumno reflexione, c'est-à-dire s'approprie le travail collectif, es decir, para que se apropie del trabajo colectivo, il faut qu'il y ait une règle et qu'on joue à tour de rôle. Es necesario que haya una regla y que se juegue por roles, se participe según los roles. C'est-à-dire que quand cet élève va poser une phrase, es decir, que cuando un alumno va a poner una frase, il faut qu'on interroge tous les autres élèves pour savoir s'ils ont la phrase suivante. Es necesario que le pregunte a todos para saber si tienen quién tiene la frase que le sigue. Si je ne fais pas ce protocole, si no utilizo este protocolo, c'est cet élève-là qui parle plus fort et qui est plus avancé. Es el alumno que habla más fuerte o que está más adelantado. Qui va imposer de mettre sa phrase. Va a intentar imponer su frase. Et qui va casser le fonctionnement de l'exercice. Y va a romper el funcionamiento del ejercicio. Donc, c'est la deuxième condition. Entonces, ahí está la segunda condición. Et la troisième condition, elle est très importante, c'est que l'évaluation. La tercera condición que es muy importante es que la evaluación ne porte pas sur la tâche, mais sur l'objectif. No apunte a la tarea, sino al objetivo. C'est-à-dire que ce qu'il faut évaluer, ce n'est pas le résultat qui a été. Es decir, que lo que hay que evaluar no es el resultado. Le résultat collectif, mais les acquisitions individuelles. No, no, no se va a evaluar el resultado colectivo, sino las adquisiciones individuales. C'est-à-dire que la tâche n'est qu'un prétexte à la réalisation de l'objectif. Es decir, que la tarea no es más que un pretexto para la realización del objetivo. Les élèves vont reconstituer, si je reprends l'exemple que je vous ai donné. Si retomo el ejemplo que les acabo de dar. Les élèves vont reconstituer le texte. Los alumnos van a reconstruir el texto. Plus ou moins bien. Más o menos bien. Mais ce que je vais évaluer. Pero lo que yo voy a evaluar ahí. Ce n'est pas si le texte a été bien ou mal reconstitué. No es si el texto ha sido bien o mal reconstruido. C'est ce que chaque élève a compris du texte. Sino que cada alumno ha comprendido el texto.
Et donc l'évaluation ne porte pas sur ce que l'on sur la tâche, sur le produit. Entonces la evaluación no es sobre la tarea, sobre el producto. Il porte l'évaluation sur les acquisitions mentales individuelles. Sí, sobre las adquisiciones mentales individuales. Ce qui est difficile en pédagogie parce que ça veut dire que l'évaluation porte sur ce qu'on ne voit pas. Lo que es difícil en pedagogía porque significa que la evaluación está siendo tomada sobre lo que no vemos. Elle porte sur comment chacun a progressé à l'occasion de ce travail coopératif. Debe referirse a cómo cada uno ha progresado en relación a este trabajo colectivo. Alors cette recherche m'a amené à réfléchir. Entonces esta investigación me condujo a reflexionar sur ce que j'ai appelé dans un livre qui a été traduit ici en Argentine les lieux communs éducatifs. Sobre lo que yo he escrito en un libro que está traducido acá en Argentina, los lugares comunes. Par exemple, un lieu commun, los lugares comunes educativos. Un lieu commun éducatif, c'est il faut que les élèves travaillent en groupe. Por ejemplo, un lugar común, es decir, es necesario que los alumnos trabajen en grupo. Mais c'est un lieu commun si on ne va pas chercher quel groupe est en train de travailler, comment fonctionne pero ce groupe. Pero es un lugar común si uno no se ocupa de ver cómo trabaja ese grupo, qué hacer para que ese grupo trabaje. Et j'ai continué à partir de là à creuser derrière ces lieux communs-là. Continué a partir de ese momento a profundizar en esta cuestión. Par exemple, dans l'éducation nouvelle, il y a un lieu commun traditionnel qui est le respect de l'enfant. Por ejemplo, en la educación nueva hay un lugar común que es, por ejemplo, el respeto al niño. Mais le respect de l'enfant, ça peut vouloir dire deux choses complètement opposées. Pero el respeto a la infancia puede querer decir cosas completamente opuestas. Ça peut vouloir dire qu'on respecte l'enfant tel qu'il est. Podemos decir que respetamos al niño tal cual es él. S'il est mauvais ou s'il est un cancre, on le respecte comme un cancre. Si él es malo, si es mal alumno, lo respetamos así, tal cual como es. Ou ça veut dire que le respect de l'enfant, c'est être plus exigeant avec lui pour lui permettre de se dépasser. O si respetar al alumno significa tratar de que sea mejor de lo que es, exigirle. Et j'ai continué mon travail de recherche. Continué mi trabajo de investigación. En traquant ces lieux communs. Discutiendo esos lugares comunes. En les traquant pour sortir des formules faciles. Discutiéndolos para salir de esas fórmulas fáciles. Sur lesquelles on est toujours d'accord. Sobre las cuales siempre estamos de acuerdo. Tout le monde dit qu'il faut que les élèves coopèrent. Todo el mundo dice que es necesario que los chicos cooperen entre sí. Tout le monde dit qu'il faut respecter les enfants. Todos dicen que hay que respetar al niño. Tout le monde dit qu'il faut que les enfants soient actifs. Todo el mundo dice que es necesario que los chicos sean activos. Tout le monde dit qu'il faut que les enfants soient heureux. Todos dicen que los niños tienen que ser felices. Mais personne ne peut dire qu'il faut que les enfants soient individualistes, malheureux et passifs. Nadie va a decir que los chicos tienen que ser individualistas, pasivos et malheureux. Et infelices. Mais la question pédagogique, c'est de ne pas se contenter. Pero la cuestión pedagógica es no contentarse de ces affirmations générales. Con esas afirmaciones generales. C'est d'aller creuser ces affirmations pour savoir concrètement comment ça se passe. Hay que ir a profundizar esas afirmaciones para ver realmente cómo ocurre todo eso. Et pas seulement comment ça se passe entre les gens, mais comment ça se passe dans la tête des élèves. Y no solamente cómo ocurre eso entre la gente, sino en la cabeza del niño. C'est ce travail-là, ce travail de compréhension de ce qui se passe dans la tête des élèves. Ese trabajo de comprensión de lo que ocurre en la cabeza de los alumnos. Qui est générateur de l'inventivité pédagogique. Es generador de la invención pedagógica. C'est-à-dire qui permet de créer des situations d'apprentissage. Es decir, permite crear situaciones de aprendizaje.
Et à partir de là, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de situation-problème. A partir de allí, trabajé mucho en la noción de situación-problema. Et j'ai essayé de montrer comment les situations-problèmes pouvaient créer ce qu'on appelle du conflit socio-cognitif. Traté de mostrar cómo esa situación problema puede provocar la creación de problemas sociocognitivos. La notion de conflit sociocognitif. La noción de conflicto sociocognitivo a été très très importante pour moi dans mon travail. Ha sido muy importante para mí en mi trabajo. Et y compris pour comprendre pourquoi l'éducation nouvelle, sobre todo para comprender cómo la educación nueva avait refusé certaines formes de cours magistraux et de leçons. Había rechazado ciertas formas de cursos magistrales y de lecciones. Et de manière, à mon avis, trop superficielle. De manera muy superficial desde mi punto de vista. Parce que quand on regarde les travaux de Piaget, porque cuando miramos los trabajos de Piaget, de ceux qui lui ont succédé comme Doise, de los que lo siguieron, etc. Et quand on regarde les travaux de Vygotsky, y cuando vemos los trabajos de Vygotsky, on s'aperçoit que ce qui constitue nos damos cuenta que lo que constituye l'apprentissage et le progrès d'un individu, el aprendizaje y el progreso de un individuo, c'est sa capacité de passer d'une interaction interpersonnelle, es su capacidad de pasar de una interacción interpersonal à une interaction intrapersonnelle. A una interacción intrapersonal. Voilà un élève. Aquí un alumno, por ejemplo. Voilà un professeur qui dit quelque chose à cet élève, qui donne un conseil à cet élève. Aquí un profesor que dice algo a ese alumno, que le da un consejo. Si vous préférez, voilà un professeur. Un profesor. Et voilà un inspecteur qui donne un conseil au professeur. Bueno, si prefieren entonces, un profesor y un inspector que da un consejo al profesor. C'est la situation dans laquelle je suis avec vous. Je es suis la situación en la que yo estoy con ustedes. Dans une situation interpersonnelle. Estoy en una situación interpersonal. Cette situation, il y a une médiation aujourd'hui là. En esta situación hay una mediación hoy. Qui est la parole? Que es la palabra. Mais si vous êtes en train de lire un livre, pero si ustedes están leyendo un libro, vous êtes aussi dans une situation interpersonnelle. Ustedes también están en una situación interpersonal. Parce qu'il y a quelqu'un derrière le livre. Porque hay alguien detrás del libro. Et il y a vous et il y a une médiation qui est le livre. Están ustedes. Está alguien detrás del libro y está la mediación que es el libro. C'est pareil quand vous regardez un film ou n'importe quoi. Es lo mismo cuando uno mira una película o algo por el estilo. Alors j'ai regardé comment les élèves se comportent devant les conseils que leur donnent les enseignants. Entonces yo lo que observé es cómo se comportaban los alumnos frente a los consejos que daban sus maestros. C'est exactement la même chose et j'ai obtenu le même résultat en regardant comment les professeurs se comportent devant les conseils que leur donnent leurs inspecteurs. Es la misma cosa, observé que es exactamente lo mismo que ocurre cuando los inspectores le dan un consejo a los docentes. Il y a quatre possibilités. Hay cuatro posibilidades. Première possibilité. Primera posibilidad. C'est la récusation. Es la recusación. Ce professeur ne m'aime pas. Este profesor no me quiere. Cet inspecteur ne m'aime pas. Este inspector no me quiere. Ce professeur est incompétent. Este profesor es incompetente. Cet inspecteur n'a pas vu d'élèves depuis trop longtemps. Este inspector no ha visto alumnos desde hace mucho tiempo. Et je vais pas écouter ce qu'il me dit. No voy a escuchar lo que él tenga para decirme. Cette position consiste à délégitimer la parole qu'on entend. Esta posición consiste en deslegitimar la palabra que escuchamos.
C'est-à-dire que ce qui nous est dit par l'autre, es decir, que lo que nos es dicho por otro, ne pénètre pas à l'intérieur de notre psychisme, de notre cerveau. No penetra en nuestro psiquismo, en nuestro cerebro. C'est la première possibilité. La primera posibilidad. La deuxième possibilité, c'est l'adoption immédiate. La segunda posibilidad es la adopción inmediata. C'est l'inverse. Es la inversa. C'est-à-dire que Monsieur le professeur, puisque vous êtes professeur, je vais faire exactement ce que vous me dites. Es la posición que dice, bueno, como usted es profesor, yo voy a hacer exactamente lo que usted diga, porque usted es profesor. Et si, puisque vous êtes inspecteur, je vais obéir à ce que vous me demandez. Y como usted es inspector, yo voy a obedecer a lo que usted me pida. Je ne veux pas chercher à savoir si c'est bien ou si c'est mauvais. No voy a intentar saber si está bien o si está mal. Je sais que vous êtes le supérieur hiérarchique. Como vos, como usted es el superior jerárquico. Je dois donc adopter ce que vous me dites. Yo debo adoptar lo que usted diga. Sans discuter. Sin discutir. Ça, c'est la deuxième position. La segunda posición es esta. La troisième position, qui est la plus fréquente dans mes observations, dans mes recherches, la tercera posición, que es la más frecuente en las observaciones que he hecho, c'est ce qu'on appelle l'adoption alternée. Es la que yo llamo la adopción alternada. L'adoption alternée, c'est ce qui se passe quand on est dans une classe. Es lo que pasa cuando estamos en una clase. Et que on se promène derrière des élèves qui travaillent. Y que nos paseamos detrás de los alumnos que trabajan. Quand on arrive derrière l'élève. Cuando llegamos detrás del alumno. Il se met à faire ce qu'on lui a demandé. Y él se pone a hacer lo que le hemos pedido. Et dès qu'on s'en va. Y desde que a partir del momento que nos vamos. Il fait comme avant. Hace como antes, es decir, deja de hacer lo que está. C'est la position du professeur qui dit à l'inspecteur. Es la posición del profesor que dice al inspector. La prochaine fois que vous viendrez, je ferai exactement ce que vous dites. La próxima vez que usted venga, yo voy a hacer exactamente lo que usted diga. Mais en attendant, je change rien. Pero mientras espero que eso ocurra, no voy a cambiar nada. C'est-à-dire que c'est une position stratégique, très es decir, pratique. Es una posición estratégica muy práctica. Qui fait que on adopte pour ne pas avoir d'ennui. Que uno adopta una posición por no para no tener problemas. Mais en réalité, on ne change pas ses convictions profondes. Pero en realidad uno no cambia sus convicciones profundas. La plupart des relations entre les humains, la mayor parte de las relaciones entre los humanos, fonctionnent sur un de ces trois registres. Funcionan en alguno de estos tres registros. Il est extrêmement rare que le quatrième registre puisse vraiment fonctionner. Es muy raro que el cuarto registro pueda funcionar. Le quatrième registre, c'est le conflit socio-cognitif. El cuarto el registro es el conflicto sociocognitivo. Dans ce registre-là, en este registro, j'entends dans ce que me dit l'autre, yo escucho lo que el otro me dice, quelque chose qui fait écho à quelque chose qui est en moi. Hay algo de lo que dice que hace eco en lo que está en mí, en algo que hay en mí. Et il y a en moi un conflit entre ce que je pensais. Y hay en mí, se produce en mí un conflicto entre lo que yo pensaba. Une interaction. Una interacción. Entre ce que je pensais. Entre lo que yo pensaba. Et ce qui m'est dit. Y lo que se me dice. C'est-à-dire que ça travaille dans ma tête. Es decir que eso está trabajando en mi cabeza. Et que dans ma tête il y a des choses qui se confronte. Y eso quiere decir que en mi cabeza hay cosas que se confrontan. Nous disons, pour employer le vocabulaire de Vygotsky, decimos para emplear el vocabulario de Vygotsky, que nous passons de l'interpersonnel à l'intrapersonnel. Que pasamos de lo interpersonal a lo intrapersonal. C'est-à-dire que la relation entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. O sea que la relación entre varias personas o entre dos personas es interiorizada. Es
interiorizada, se interioriza. Le grand psychologue français Henri Vallon, el gran psicólogo francés Henri Vallon, dit que l'intelligence c'est la socialité intériorisée. Dice que la inteligencia es la sociabilidad interiorizada. C'est-à-dire c'est la capacité d'intérioriser les relations que nous avons es avec les autres. La capacidad de interiorizar las relaciones que tenemos con los demás, con los otros. Alors, si nous regardons ces quatre possibilités, quiere decir que si miramos estas cuatro, consideramos estas cuatro posibilidades, et si nous étudions le fonctionnement d'une classe, y si estudiamos el funcionamiento de un grupo clase, on va s'apercevoir que beaucoup de lieux communs vont être obligés d'être discutés, contestés. Vamos a convencernos de que muchos lugares comunes necesariamente van a tener que ser discutidos. On peut avoir, ser cuestionados. On peut avoir des élèves qui discutent entre eux. Podemos tener alumnos que discutan entre ellos. Mais où il n'y a aucun conflit sociocognitif. Pero no va a aparecer ningún conflicto sociocognitivo. Et on peut avoir un professeur qui fait un cours et où il y a beaucoup de conflits sociocognitifs. Y en cambio podemos tener un profesor que da una clase y donde aparecen muchos conflictos sociocognitivos. Et donc la question, ça n'est pas s'il faut faire un cours ou s'il faut faire discuter les élèves ensemble. Entonces el tema se trata en esto de ver si damos una clase o queremos que los alumnos discutan entre sí. La question c'est comment on va faire pour susciter du conflit sociocognitif. Sino saber de qué manera vamos a proceder para suscitar un conflicto sociocognitivo. Et est-ce que je vais pouvoir susciter du conflit sociocognitif par exemple en faisant émerger des représentations des élèves? Voy a poder hacerlo surgir haciendo emerger representaciones de alumnos pour les travailler para et trabajarlas, pour travailler avec elles, pour créer de l'interaction cognitive. Y trabajarlas con ellas para crear interacciones cognitivas. Est-ce que quand je vais faire un travail de groupe, il y aura de l'interaction cognitive? Les Cuando élèves s'écouteront vraiment? Un trabajo de grupo, habrá interacciones cognitivas? Los alumnos se escucharán entre sí? Et vous voyez bien que quand on travaille comme ça, on est obligé de sortir des lieux communs. Y entonces vamos a ver que cuando trabajamos de esa manera, parce que nos vemos obligados a salir, a extraernos de los lugares comunes. On va regarder précisément ce qui se passe dans la tête de l'élève. Porque vamos a mirar exactamente lo que está ocurriendo en la mente del alumno. C'est-à-dire on va regarder si oui ou non il y a du travail qui est en train de s'opérer dans sa tête. Vamos a ver si hay realmente trabajo que está poniéndose en marcha en su cabeza. Dans les études que j'ai menées, en los estudios que yo he llevado a cabo, et en interrogeant des élèves systématiquement, interrogando alumnos sistemáticamente, après une explication d'un professeur ou après un travail de groupe, después de la explicación de un profesor o después de un trabajo grupal, parfois même après une expérience, e incluso después de un experimento, on s'aperçoit que dans 85% des cas, vemos que en el 85% de los casos, ce sont les trois premières attitudes qui sont développées. Se plantean o se revelan las tres primeras actitudes. Récusation, adoption sans discussion, adoption sin discusión, ou adoption alternée pour être tranquille. Adopción alternada para quedarnos tranquilos. Pas de progrès significatif mentalement. No progresos significativos mentalmente hablando. Si nous avions le temps et si je parlais vraiment bien l'espagnol, si tuviéramos tiempo y si yo realmente pudiera hablar correctamente español, je ferais maintenant un travail avec vous très précis. Haría con ustedes aquí un trabajo muy preciso pour savoir ce que vous avez acquis sur le conflit sociocognitif. Para saber lo que ustedes han adquirido, aprendido con respecto al conflicto sociocognitivo. Peut-être que certains d'entre vous sont dans la récusation.
Quizás algunos de ustedes están en la recusación. Y dice lo que dice Mérieux, ça n'a aucun intérêt, il n'est pas compétent. Y dicen, lo que dice Mérieux no tiene ningún interés para mí, no me resulta competente. Donc pour cela, ça n'est pas très utile. Entonces para esto no es muy útil. Mais s'il y en a qui disent, puisque Mérieux le dit, c'est vrai. Y si algunos dicen, en cambio, ya que lo dice Mérieux, debe ser cierto. C'est pareil. Es lo mismo. C'est la même attitude, c'est le même comportement inversé. Es la misma actitud, el mismo comportamiento, pero a la inversa. Donc ils ne progressent pas plus. O sea que no van a progresar más que el otro. Il y en a peut-être qui se disent, pendant le séminaire, je vais faire semblant de dire que je suis d'accord. Entonces, algunos van a decir, bueno, mientras dure el seminario voy a hacer como que estoy de acuerdo. Et puis, à l'évaluation du séminaire, je dirai que je suis d'accord. Y cuando llegue el momento de la evaluación, por supuesto, voy a decir que estoy de acuerdo. Mais en réalité, tout ça, c'est de la foutaise. Pero en realidad son todas pavadas. Et puis, il y en a peut-être 15%, comme dans une classe. A lo mejor hay 15%, como en cualquier grupo clase. Qui se disent, peut-être que dans ce que dit Mérieux, il y a des choses qui me permettent de m'interroger sur ma pratique. A lo mejor en estas cosas que dice Mérieux hay cuestiones que me permiten interrogarme sobre mi propia práctica. Peut-être que grâce à ça, dans toutes les bêtises qu'il dit, a lo mejor dentro de todas las pavadas que dice, resulta que il y a quand même une petite chose qui me rappelle une expérience, un alguito que me está recordando una experiencia anterior, et qui fait que je pense pas tout à fait la même chose qu'avant, partir du moment où j'ai entendu ce qu'il a dit. Y que no estoy pensando exactamente lo mismo que antes de haberlo escuchado. Alors là, c'est le miracle. Eso es algo así como el milagro. C'est le miracle du conflit socio-cognitif. Es el milagro del conflicto socio-cognitivo. Il s'est passé quelque chose dans la tête des gens qui ont entendu ce que je disais. Ocurrió algo en la mente, en la cabeza de la gente que estaba escuchando lo que yo decía. C'est-à-dire dans l'absence généralisée de communication qui caractérise notre monde. O sea, en esa ausencia generalizada de comunicación que caracteriza nuestro mundo. Il y a eu un petit miracle puisque hubo un pequeño milagro que se produjo, puisque une chose qui m'a été dite par quelqu'un d'autre m'a servi à progresser. Ya que algo que otro dijo me sirvió para progresar. Et à partir de là, y a partir de allí, vous comprenez peut-être quel est le centre de mes travaux, de mes recherches. A partir de ahí ustedes quizás comprendan cuál es el centro de mis trabajos, de mis investigaciones. Je fais des travaux d'observation. Hago de trabajos de observación. Je fais des lectures scientifiques. Hago lecturas científicas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les enjeux des pratiques. Lo que me interesa es comprender los logros de las prácticas. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue dans les pratiques? Los retos de las prácticas. Qu'est-ce qui se passe dans les pratiques? ¿Qué ocurre en las prácticas? Qui fait que les gens vont évoluer dans un cadre où ils sont avec moi en train de travailler. Prácticas para que las personas evolucionen dentro del marco en el que están situados conmigo y en el que estamos trabajando. L'important c'est pas que je sois content moi en sortant. Lo importante no es que yo esté contento cuando salga de aquí. Mais l'important c'est pas non plus que vous soyez content en partant. Tampoco es importante que ustedes estén muy contentos cuando salgan de aquí. L'important c'est que il y a eu du travail. Lo importante es que se haya producido algún trabajo. Dans l'université française ou dans la formation des enseignants en France. En la universidad francesa o en la formación de los docentes en Francia. On confond toujours l'évaluation de satisfaction avec l'évaluation d'acquisition. Se confunde siempre la evaluación de satisfacción con la evaluación de adquisición. On peut être parfaitement satisfait
parce que on a fait l'objet d'une flatterie narcissique. Perfectamente satisfecho porque llegó a un momento narcisista impecable, mais sans rien avoir appris. Pero sin haber aprendido nada. Et puis on peut ne pas être satisfait, être sortir en ayant o bien haber no estar satisfecho y haber salido sortir en ayant des idées refunfuñando y en étant bouleversé un peu intérieurement ideas que en étant déstabilisé nos desestabilizaron interiormente et en réalité avoir beaucoup progressé à cette occasion. Y en realidad resulta que en ese momento progresamos mucho. Et tout mon travail a consisté toujours à aller faire ces distinctions-là. Y siempre mi trabajo consistió en ir en busca de esas distinciones, de esas diferenciaciones. C'est-à-dire à aiguiser le regard pour être toujours plus lucide. Apuntar cada vez más fino, más finamente para ser cada vez más lúcido. Et si je vous ai raconté tout cela, toute cette histoire de mes recherches et mes deux expériences principales si au conté, début de ma carrière. Y si les conté, les hice todo este relato de mis experiencias, de mis investigaciones a través de a lo largo de mi carrera. C'est pour terminer sur cette idée que ce que je voudrais mettre au cœur de mon travail, llegar al punto de decirles que lo que me gustaría poner en el núcleo, en el centro de nuestro trabajo, c'est l'exigence de lucidité. Es la exigencia de lucidez. L'exigence de lucidité, ne pas se contenter de des mots. Ne pas se contenter des mots. No contentarse con las palabras. No conformarse con las palabras. Aller regarder de très près pour être lucide sur ce qui se passe. Sino ir a mirar bien de cerca para ser lúcido con respecto a lo que está ocurriendo. Il y a un poète français qui s'appelle René Char. Hay un poeta francés, René Char, qui dit dans une très belle phrase. Que dice, utiliza una frase muy bella. Que la lucidité est la blessure la plus près du soleil. Que dice que la lucidez es la herida más cercana al sol. La lucidité est une blessure parce que quand on est lucide, la lucidez es una herida porque cuando uno es lúcido, on est obligé de se remettre en question. Uno está obligado a plantearse, a cuestionarse cosas. On peut pas se satisfaire de l'approximation. No podemos satisfacernos con lo aproximativo. On peut pas se satisfaire de discours idéologiques faciles. Ni con discursos ideológicos fáciles. Mais c'est la blessure la plus proche du soleil. Pero es la herida más cercana al sol. Parce que c'est la blessure qui nous fait progresser vers la vérité. Porque es la herida que nos hace progresar hacia la verdad. Je vais m'arrêter là pour la première partie. Voy a detenerme aquí para on va faire la primera une parte. Petite pause de 5 minutes. Hacemos una pausa de 5 minutos. Et après ces 5 minutes, nous pourrons consacrer du temps y después à des questions, de esos 5 minutos, à une discussion sur ce que je viens de vous dire. Podemos discutir un poco, podemos dedicar un poco de tiempo a discutir sobre lo que acabo de decirles. Donc nous reprenons la séance à 19h15. Retomamos la sesión a las 18:15. À l'heure 19:15. À l'heure suisse et non pas à l'heure argentine. A la hora suiza y no a la hora argentina.
Nous allons recommencer pour ne pas terminer trop tard non plus, puisque nous commençons tard dans l'après-midi et que ces séminaires empiètent largement sur votre vie privée et personnelle. Bueno, no vamos a empezar muy tarde para no demorarnos y que este seminario no invada la vida privada de ustedes. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé bien sûr tout un contenu à notre travail, mais yo preparé un contenido para nuestro trabajo hoy, pero je tenais à cette introduction pour inscrire. Yo quería hacer esta introducción para inscribir la recherche pédagogique dans une trajectoire personnelle. La investigación pedagógica en una trayectoria personal. Ce n'est pas simplement une question de circonstance. No es solamente una cuestión de circunstancia. C'est une question théorique. Es una cuestión teórica. L'expérience et la pensée pédagogique n'existent pas. La experiencia pedagógica no existe y la pensée pédagogique. El pensamiento pedagógico no existe. En dehors de l'engagement de ceux qui l'élaborent. Fuera del compromiso de quien lo elabora. C'est ce qui différencie la pensée pédagogique d'autres types de pensées philosophiques ou scientifiques. Eso es lo que diferencia el pensamiento pedagógico de otro tipo de pensamientos científicos o filosóficos. Qui peuvent s'interpréter indépendamment. Que pueden interpretarse independientemente. De l'engagement de celui qui les élabore. Del compromiso de aquel que lo elabora. Si on regarde l'histoire des grandes figures de la pédagogie, si miramos la historia de las grandes figuras de la pedagogía, ce sont toujours des figures dont l'engagement son siempre figuras que están comprometidas doit être compris pour comprendre la pensée elle-même. Deben ser comprendido eso para comprender su pensamiento. C'est le cas par exemple de quelqu'un que j'admire beaucoup, Paulo Freire. Por ejemplo, es el caso de alguien que yo admiro mucho, que es Paulo Freire. Et pendant la pause, je lisais une dépêche d'agence. Durante la pausa, yo leí una gacetilla. Qui rapportait un propos du nouveau président brésilien. Que informaba a propósito del nuevo presidente brasileño. Qui disait qu'il voulait éradiquer la pensée de Paulo Freire de toutes les écoles du Brésil. Que decía que quería erradicar el pensamiento de Paulo Freire de todas las escuelas de Brasil. Donc vous voyez que le combat pour la pédagogie c'est toujours quelque part un peu un combat politique. Entonces ustedes ven que el combate por la pedagogía es de alguna manera un combate político. Alors maintenant, je vous donne la parole sur cette première partie de cette soirée. Entonces yo ahora voy a dar la palabra en esta primera parte, en esta segunda parte de esta velada. Pas seulement pour vos questions, mais pour vos objections. No solamente para sus preguntas, sino para sus sugerencias. Et toutes les interventions que vous souhaitez. Y todas las intervenciones que ustedes quieran hacer. Entonces. Qui veut intervenir? ¿Quién quiere intervenir? C'est un séminaire de travail. Oui, merci. Gracias, gracias, muchas gracias. Attendez. Attendez, on va vous apporter le micro. Maestra de grado siempre levanta el tono y más en escuelas públicas, que la mayoría supongo que somos. Yo soy de primaria. Soy del partido de Moreno, por eso cuando inició la charla, hablaba de esto de las escuelas públicas y las escuelas privadas, que es lo que está transitando. Es lo que está transitando justamente nuestro partido, que estamos hace 3 meses sin clases por una tragedia que creo que es de público conocimiento, en donde tratamos de hacer una continuidad pedagógica
sin alumnos, con padres. Está al tanto. Bien. Bueno, por ahí estoy. Quería, o sea, cuando entré lo que sentí era esto, y lo que escuchaba que usted decía, era de esta lucha entre la escuela pública y privada, hacer una pedagogía perfecta para un determinado tipo de escuelas, que por ahí es lo que a mí me dejó, digamos, esta primera parte de la charla. Me dieron micrófono innecesariamente. Repetí lo último, por favor. Que esto de que, ay, ya me olvidé. Esta lucha entre lo público y lo privado, la desvinculación que quiere hacer el Estado de nuestras escuelas públicas y pensar en una pedagogía perfecta para algunos y para otros quedamos a la deriva. Merci, c'est un témoignage plutôt qu'une question. Et je suis un testimonio que una pregunta. Sí. Et je suis très heureux de partager votre révolte et votre combat. Estoy muy contento de poder participar de tu enojo y de tu combate. Et je vous assure de ma solidarité. Y soy solidario con vos. Gracias. Por ahí mi pregunta era cómo sostenemos una pedagogía sin alumnos dentro de las aulas. Tenemos continuidad pedagógica, nos dicen, pero bueno. ¿Cuántas escuelas no funcionan en Moreno? Funcionan 5 o 6 escuelas, no más. Las que cumplen los 12 puntos. Las que no, la mayoría no funciona, debe funcionar. Se van abriendo de a poco. Aclaro un poquito, hemos conversado con Filip lo que pasaba en Moreno y recuerdo que nos mandamos un mail el día que murieron Sandra y Rubén. Así que está al tanto desde cuando esto comenzó acerca de lo que pasó en Moreno. Solo para completar un poquito lo que vos contás y algo que es parte de la realidad que hoy vive algunas, que hoy se vive en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, son la muerte de Sandra y Rubén podía no haber ocurrido si la escuela estaba en buenas condiciones. En buenas condiciones, el edificio, Le Bâtiment. Y entonces, a partir de la muerte de ellos, todas las escuelas son diagnosticadas como en estado de peligro y es por eso que cierran todas. Las autoridades políticas no reaccionan hasta 2 meses después. En realidad hicieron las intervenciones, bueno, fueron a ver gente de la DPI. Obviamente todos tenían pérdida de gas, ediliciamente todo lo que se notaba. Bueno, hicieron un relevamiento. Recién ahora están empezando a probar algunas obras. Entonces, recién después de 3 meses, han comenzado las obras para mejorar las condiciones de los edificios. Es por eso que salvo 5 escuelas, las otras no funcionan. Hay 100.000 chicos que no tienen clases. Hace tres meses. El 2 va a ser 3 meses. 100.000. Entonces, las escuelas, las maestras, los maestros, el sindicato, una serie de universidades que incluyen a universidades, que incluyen la UBA, que incluyen la UNIPE, que incluyen la Universidad de Lomas de Zamora y a la Universidad de General Sarmiento, La Plata, y seguro me olvido porque son 8, las universidades también intentan colaborar, pero las escuelas están cerradas. Entonces las plazas, en la calle hay actividades pedagógicas. Se habla de una continuidad pedagógica
y intentar que los chicos tengan un acercamiento con los contenidos. Las maestras van citando de a pequeños grupos, ahora, este último mes, porque ya se hacía muy extenso solo con familias. En la escuela, en la vereda de las escuelas. Y si hay algún espacio seguro, ahí. Entonces, aparece ahí una cosa que a mí... Me sumo a tu comentario. A mí me impresionó mucho, ¿puedes comentar? Cuando los padres dicen en una declaración, queremos escuelas seguras para nuestros hijos. La idea de una escuela segura, el adjetivo segura, es como una reiteración. Nosotros no necesitábamos decir que la escuela tiene que ser segura. La escuela se construye en la confianza pública de que es segura. Y en ese sentido me parece que política y pedagógicamente ahí se plantea un problema nuevo, que es que la escuela pueda no ser segura al punto que si ese accidente hubiera ocurrido 20 minutos después, muchos niños hubieran muerto como Sandra y Rubén. Por eso, por ahí... Oui, je ne peux pas évidemment répondre directement à votre interpellation. Non, no puedo responder directamente a su interpelación. Puisqu'il s'agit d'un événement grave qui a donné lieu à des décisions administratives et politiques. Porque se trata de un acontecimiento muy grave que dio lugar a intervenciones administrativas y políticas. Et que nous sommes devant une situation où il ne semble pas qu'il y ait de solution facile. Estamos frente a una situación en la que no parece que haya soluciones fáciles. Et puisque si on avait laissé les écoles fonctionner, si hubieran dejado funcionar a las escuelas, les parents mais aussi les maîtres auraient pu également los padres y los maestros posiblemente hubieran protestado también en disant qu'on mettait les enfants en danger. Antes de esto se protestó. Ok. Claro, cambió la verticalidad. Ok. D'accord. Ok. Ok. Moi, j'ai été très attentif à ce que vous avez dit. Yo he estado muy atento a lo que usted dijo. Sur tout ce que vous essayez de faire. A todo lo que usted trata de hacer. Pour développer dans des lieux particuliers, dans des clubs, dans des. Para desarrollar en lugares particulares, espacios sociales, clubes, plazas. Des formes de transmission. Formas de transmisión. Et je pense que peut-être. Il est en train de se passer là quelque chose d'intéressant pour Pienso les élèves. Que tal vez allí está ocurriendo algo interesante para los alumnos. Qu'ils peuvent découvrir qu'il y a une transmission possible. Que ellos pueden descubrir que hay una transmisión posible. Dans d'autres cadres que le cadre scolaire traditionnel. En otros entornos que el marco escolar tradicional. Et peut-être c'est une occasion. Y tal vez esa sea una ocasión. Pour aller vers ce que nous appelons des échanges de savoir. Para ir hacia eso que nosotros llamamos el intercambio de saberes. J'ai beaucoup travaillé sur les échanges de savoir entre les enfants et les adultes. Yo he trabajado mucho en los intercambios de conocimiento entre los niños y los adultos. À travers un logiciel numérique qui s'appelle l'arbre des connaissances. A través de un programa informático que se llama el árbol de los conocimientos. Nous avons mis en place dans plusieurs villes de France. Implementamos en varias ciudades de Francia. Un système qui permet à des adultes volontaires un sistema que permite a adultos voluntarios de faire des propositions d'apprentissage. Hacer propuestas de aprendizaje.
Alors ces adultes, ça peut être des enseignants. Esos adultos entonces pueden ser docentes. Mais ça peut être des pères ou des mères de famille. Pueden ser padres o madres de familia. Ça peut être des artisans. Pueden ser artesanos. Ça peut être des chômeurs qui ont un petit peu de temps. Desocupados que tienen mucho tiempo. Et nous mettons en relation des enfants avec des adultes qui peuvent leur apporter un savoir Nosotros quelque part. Ponemos en relación a los niños con adultos que de alguna manera pueden aportarles algún saber. Nous avons appelé cela le marché des connaissances. Llamamos a eso el mercado de los conocimientos. Et pour le faire dans des lieux sécurisés, dans des lieux de sécurité. Y para hacerlo en lugares seguros, en lugares de seguridad. Nous le faisons dans des lieux publics sous l'autorité des enseignants. Lo hacemos en lugares públicos con la autorización de los docentes. Et nous essayons de stimuler les échanges de savoir à tous les niveaux dans la population. Tratamos de estimular los intercambios de conocimiento a todos los niveles en la población. Ça va de la mère de famille qui apprend à faire la cuisine. Por ejemplo, una madre de familia que enseña a cocinar. Du père de famille qui apprend à coudre. Un padre de familia que enseña a coser. Du cordonnier qui apprend comment réparer des chaussures. Un zapatero que enseña cómo reparar zapatos. Le maçon qui apprend comment monter un mur. L'albañil que enseña cómo levantar una pared. Le comptable qui apprend comment faire les comptes de l'entreprise. El contador que enseña cómo hacer las cuentas de nuestra empresa. L'architecte qui explique qu'est-ce que c'est qu'un plan et comment se repérer sur un plan, etc. Que explica cómo es qué es un plano y cómo ubicarse dentro de un plano. Alors évidemment en France nous faisons cela en complément de l'école. Evidentemente en Francia nosotros hacemos esto además de la escuela. Et en plus de l'école et nous le faisons dans l'école même. Además de la escuela e incluso lo hacemos en la escuela. C'est-à-dire que ce sont les professeurs qui organisent ces échanges de savoir entre les enfants et les adultes du quartier. Es decir, que son los maestros los que organizan esos intercambios de conocimiento entre los alumnos y los adultos del barrio. Alors, je suis bien conscient que vous ne pouvez pas faire cela facilement avec des écoles fermées. Entonces yo soy consciente de que eso no es fácil de llevar adelante con escuelas cerradas. Mais je suis sûr que on pourrait Pero estoy seguro que podríamos entendre un peu plus ce qu'avait dit il y a quelques années Illich, par exemple. Escuchar más claramente lo que ha dicho hace muchos años Illich, por ejemplo. Quand il expliquait que la société devait tout entière prendre une responsabilité éducative sous l'autorité des professeurs. Cuando él explicaba que la sociedad entera en su conjunto debía asumir una responsabilidad educativa conducida por los docentes. Pour que tout le monde para soit solidaire dans la transmission des savoirs. Para que todos fueran solidarios en la transmisión de los saberes, de los conocimientos. Ceci peut paraître très difficile et révolutionnaire. Eso puede parecer muy difícil de hacer, muy revolucionario. Mais je vous fais observer que c'est comme cela que ça fonctionnait dans les sociétés traditionnelles. Pero yo quiero resaltar que es así como funcionaba en las sociedades tradicionales. Et que il y a des sociétés entières qui ont pratiqué les échanges de savoir d'une manière systématique. Y que hay sociedades enteras que han practicado el intercambio de conocimientos de manera sistemática. Avec beaucoup de succès dans les apprentissages. En los aprendizajes. Donc je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Entonces, no digo que sea esto lo que ustedes tienen que hacer. Parce que je ne veux pas donner de leçons à des gens qui sont dans une situation comme la vôtre. Porque no quiero darle lección a las personas que están en una situación como la de ustedes. Mais je pense que toutes les situations. Pero pienso que todas las situaciones, même les plus difficiles, incluso las más difíciles, peuvent donner lieu à un travail d'intelligence collective et d'invention. Pueden dar lugar a un trabajo colectivo y de invención.
et d'exercice de l'intelligence collective. De l'intelligence collective. L'histoire nous montre que souvent c'est dans des situations de crise, dans des situations dramatiques. La historia nos muestra que a menudo es en situaciones de crisis, situaciones dramáticas. Qu'émergent des intelligences collectives et des initiatives collectives qui font progresser la réflexion. Que emergen las inteligencias colectivas que hacen progresar las situaciones. Alors, je ne sais pas comment on peut faire, mais entonces, no sé cómo es que hay que hacer, pero dans la situation particulière que vous vivez, en la situación particular que ustedes viven, mais je crois que les professeurs, par l'intermédiaire des syndicats, pero avec creo les que universités, los profesores, los maestros, por intermedio de los sindicatos y de las universidades, peuvent, dans ce moment difficile et particulier, réfléchir ensemble. Pueden reflexionar juntos en estos momentos tan difíciles y particulares. Sur la manière de transformer la ville tout entière en ville éducatrice. Sobre la manera de transformar a la ciudad entera en una ciudad educadora. Je pense que, comme le dit un vieux proverbe africain, yo pienso, como lo dice un viejo proverbio africano, il faut tout un village pour élever un enfant. Es necesario toda una ciudad, un pueblo para pour élever un enfant. Para educar a un niño. Et que réfléchir à cela dans des situations difficiles n'est jamais inutile. Reflexionar sobre esto en situaciones difíciles jamás es inútil. Surtout que Alexandra vient de nous rappeler qu'il y avait eu une réflexion collective déjà entre les parents et les enseignants. Especialmente cuando Alejandra acaba de decirnos que ha habido una reflexión colectiva entre docentes y padres. Et je pense que cette réflexion collective peut-être être encouragée et développée. Esta reflexión colectiva podría ser alentada y desarrollada. Mais je n'en dirai pas plus. Pero parce que no diré más nada de esto. Je respecte votre combat. Respeto la lucha de ustedes. Oui. Il y a des micros qui circulent. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uy, qué lindo. Qué ganas de cantar me dio este micrófono. Lo que quería primero es solidarizarme con la colega por su valentía de traer hasta este lugar su lucha. Me parece muy valioso y realmente admirable. Y mi pregunta, bueno, es un poco más simple y está relacionada con lo que estaba hablando Philippe en el episodio anterior. Que él comenzó relatando su historia, hablando de imponer la ley de proporciones. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia encuentra entre ese Philippe y el de hoy? ¿Qué diferencia encuentra entre ese Philippe, el de la ley de proporciones, y el de hoy? Merci beaucoup. C'est à la fois la même personne et une autre personne, bien sûr. Es al mismo tiempo la misma persona y otra persona. C'est une personne qui est toujours aussi convaincue que tout le monde peut apprendre. Es una persona que siempre está convencida de que todo el mundo puede aprender. Et tout le monde peut apprendre la proportionnalité. Y todo el mundo puede aprender la proporcionalidad. Mais c'est quelqu'un qui pense que pour apprendre la proporcionalité, il vaut mieux. Pero también soy alguien que piensa que para aprender la proporcionalidad es mejor organizar des situations qui donnent envie d'apprendre la proporcionalité. Organizar situaciones que den ganas de aprender la proporcionalidad. Mettre en place des systèmes d'aide, d'accompagnement des élèves. Implementar sistemas de ayuda y de acompañamiento de los alumnos. Plutôt que de s'acharner d'une manière violente sur eux. Más que encarnizarse de una manera violenta. Avec le sentiment que on pourra obtenir tout ce qu'on veut dès lors qu'on est suffisamment autoritaire. Con el convencimiento de que uno va a poder obtener lo que quiere de manera autoritaria.
Il y a un pédagogue que j'aime bien qui s'appelle Anton Makarenko, qui est un pédagogue soviétique. Hay un pedagogo soviético, Makarenko, que yo aprecio mucho. Qui dit quand l'enfant est malade, il faut soigner le milieu. Que dice que cuando hay un niño enfermo, lo que hay que curar es el entorno. Soigner le milieu, c'est-à-dire soigner l'environnement. Cuidar el entorno, el medio ambiente, multiplier, el contexto. Multiplier à la fois les cadres sécurisants. Multiplicar al mismo tiempo el marco de seguridad. Et les stimulations intellectuelles. Y la estimulación intelectual. Et puis témoigner du plaisir qu'il y a à apprendre et à comprendre. Y luego dar testimonio del placer que él tiene en comprender. Je crois que ce sont les trois conditions qui sont essentielles, fondamentales. Las que son esenciales, fundamentales. Alexandra a dit tout à l'heure qu'une école, par définition, c'est la sécurité. Alejandra decía hace un ratito que una escuela es por definición seguridad. Moi, je dis que une classe dans une école, ça doit être un espace hors menace. Yo digo que un curso, una clase en una escuela tiene que ser un espacio libre de amenaza. Un espacio hors menace, ça veut dire un espacio où l'on peut se tromper sans être humilié. Es decir, un espacio en el que uno pueda equivocarse sin sentirse humillado. Sans être humilié par ses camarades. Sin ser humillado por sus colegas, sus compañeros. Sans être humilié par le professeur. Ni por el profesor. Sans être étiqueté une bonne fois pour toutes comme un élève qui est un échec. Sin ser señalado de una vez y para siempre como un alumno fracasado. Puisque apprendre, c'est une démarche de chaque sujet. Puesto que aprender es una gestión, un encaminamiento de cada sujeto. Et que apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pouvoir le faire. Y que aprender es hacer algo que uno no sabe hacer para poder hacerlo. Et que il faut le faire sans savoir le faire. Y que hay que hacerlo sin saber hacerlo. Et donc il faut le faire en tâtonnant, il faut le faire entonces, en se trompant. Hay que hacerlo a tientas, equivocándose. Il faut avoir cette sécurité minimale. Y es necesario tener esa seguridad mínima. Qui est une sécurité matérielle, bien sûr. Que es, por supuesto, una seguridad material. Mais qui est une sécurité psychologique aussi. Pero también psicológica. Il faut que l'espace hors menace protège l'élève. Es necesario que ese espacio libre de amenazas proteja al alumno. Contre les agressions qui peuvent arriver du maître, de ses camarades, contra las agresiones que pueden venir del lado de su maestro, del lado de sus compañeros, mais aussi contre sa propre violence. Pero también contra su propia violencia. Et c'est la deuxième condition. Je parle d'un cadre contenant. Es la segunda condición. Yo hablo de un marco contenedor. Un cadre contenant, c'est un cadre dans lequel on se sent en sécurité. Un marco contenedor es un marco en el cual nos sentimos seguros. Mais c'est un cadre dans lequel aussi on sent qu'il y a de l'aide. Pero es un marco en el que sentimos además que hay ayuda. On peut compter sur ce que Vygotsky appelle l'étayage. Podemos contar con lo que Vygotsky llama el andamiaje. L'étayage du maître, l'étayage des autres. El andamiaje del maestro, de los otros, de los compañeros. Et on sait que les autres sont là pour vous accompagner, vous accompagner dans votre conquête du savoir et de l'autonomie. Y saber que los otros están ahí para acompañarlos a la conquista de ese saber. Et puis la troisième condition sur laquelle j'ai travaillé récemment, plus récemment. Et luego la última condición sobre la cual yo he trabajado muy recientemente. C'est la question de la transmission du plaisir d'apprendre. Es la cuestión del placer de aprender. Parce que pour beaucoup d'enfants, apprendre n'est pas un plaisir. Porque para muchos niños aprender no es una alegría, un placer, no es algo placentero. Apprendre est une épreuve. Aprender es una prueba. Et c'est une épreuve qui parfois est génératrice de beaucoup de souffrance. Una prueba que muchas veces es generadora de gran sufrimiento. C'est une épreuve
dont ils ne perçoivent pas le sens. Es una prueba a veces de la cual el niño no percibe el sentido. No percibe para qué. L'enfant n'est pas ennemi de l'effort. No, el niño no es enemigo del esfuerzo. Regardez les enfants qui s'entraînent au football ou qui los niños que se entrenan para jugar al fútbol ou qui s'entraînent dans un autre sport ou qui s'entraînent dans un autre sport ou qui s'entraînent dans des jeux électroniques. O que se entrenan en otros deportes o en los juegos electrónicos. Ils font des efforts. Ellos hacen esfuerzos. Et il y a même des cas où il faut tempérer leurs efforts parce qu'ils se mettent en danger physiquement. Es necesario atemperar sus esfuerzos porque se ponen en problemas físicos incluso. L'enfant n'est pas ennemi de l'effort, mais il est ennemi du non-sens. El niño no es enemigo del esfuerzo, es enemigo del sinsentido. C'est-à-dire, il est ennemi d'un effort qui n'a pas de sens, dont il ne voit pas vers quelle satisfaction cela l'amènera. Es decir, es enemigo de lo que él no ve, cuál es el sentido que lo llevará a l'éxito. Dans la conférence d'hier, à laquelle peut-être certains ont assisté, en la conferencia de ayer, a la cual algunos de ustedes tal vez asistieron, j'ai fait état d'une recherche que j'ai menée sur l'écriture. Yo contaba sobre una investigación que yo he hecho sobre la escritura. J'ai mené cette recherche auprès de mes étudiantes et de mes étudiants. Yo llevé a cabo esta investigación junto a mis estudiantes, alumnos y estudiantes. Et j'ai observé que pour beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, y observé que para muchos estudiantes, écrire était une vraie souffrance. Escribir era un verdadero sufrimiento. Et qu'ils ont vécu toute leur vie. Que ellos han vivido toda su vida. L'écriture comme une souffrance. La escritura como un sufrimiento. Et cela me rappelle une phrase. Y eso me recuerda una frase qui m'avait été dite quand j'étais professeur avec des élèves de 11 ou 12 ans. Que me fue dicha a mí cuando yo era profesor de alumnos de 11 y 12 años. Et il s'agissait d'un élève qui avait de très grandes difficultés dans l'écriture. Se trataba de un niño que tenía grandes dificultades para escribir. Il ne savait pas faire une phrase, il ne savait pas utiliser l'orthographe. No sabía escribir una frase, no sabía utilizar la ortografía. Il ne comprenait rien à la grammaire. No comprendía nada de gramática. Et je lui ai demandé, mais depuis que tu es à l'école, tu n'as pas écrit? Y yo le pregunté, pero entonces desde que estás en la escuela nunca escribiste? Il me dit si, depuis que je suis à l'école, on m'a toujours fait écrire. Y sí, desde que yo estoy en la escuela siempre me han hecho escribir. Alors je lui ai dit, tu devrais savoir écrire. Entonces vos deberías saber escribir. Il me dit non, parce qu'à l'école on m'a toujours corrigé, mais on ne m'a jamais répondu. No sé, porque en la escuela siempre me corrigieron, pero jamás me respondieron. C'est-à-dire que l'écriture a toujours été pour lui une épreuve pour corriger sa conformité à des normes. Entonces la escritura había sido para él siempre algo para ser corregido conforme a las normas et non pas un moyen d'accéder à la liberté. Y no un medio para acceder a la libertad. Et non pas un moyen pour accéder à une meilleure communication avec soi-même et avec autrui. Y no un medio para acceder a una mejor comunicación consigo mismo y con los otros. L'écriture a été inventée par les hommes. La escritura ha sido inventada por los hombres. Pour se libérer de toute une série de contraintes. Para liberarse de toda una serie de obligaciones. Et d'abord pour libérer sa propre mémoire. En primer lugar para liberar su propia memoria. Vous savez que les premiers écrits dont nous disposons, que nous avons trouvés. Ustedes saben que los primeros escritos de los que disponemos, que hemos encontrado. Ce sont des listes. Son listas. Comme des listes de courses. Como listas de las compras. Ce sont des listes de choses à faire. Listas de cosas que había que hacer. Et les gens qui ont étudié ces premiers écrits. Las personas que han estudiado esos primeros escritos. Ils nous ont montré que si les humains avaient inventé l'écriture. Nos mostraron que si los humanos habían inventado la escritura. C'est d'abord pour libérer leur mémoire. Había sido en primer lugar para liberar su memoria. Parce que
quand on doit faire plusieurs choses, porque cuando debemos hacer quand muchas on doit cosas, se souvenir de plusieurs cuando choses, tenemos que acordarnos de muchas cosas, il faut encombrer sa mémoire, es necesario, se llena la memoria, ce qu'on appelle son impan cognitif. Un impan, c'est un espace. Un impan cognitif, je ne sais pas quel est le mot espagnol. Su espacio cognitivo. Votre mémoire, c'est comme une bibliothèque. La memoria, su memoria es como una biblioteca. Il y a des rangées hay, estantes, avec des livres qui sont à l'intérieur. Con libros que están en su interior. À partir d'un certain moment, il peut n'y avoir plus de place dans votre mémoire. A partir de cierto momento puede ya no haber más lugar en su memoria, en la memoria de cada uno. Et donc il faut externaliser la mémoire. Entonces es necesario externalizar la memoria. Et la construction de la civilisation, c'est la construction d'outils d'externalisation de la mémoire. La construction de la civilisation est la construction d'une herramienta para externalizar la memoria. Et on a commencé à externaliser la mémoire par l'écriture. Hemos comenzado a externalizar la memoria mediante la escritura. Aujourd'hui, on externalise la mémoire par le numérique. Hoy externalizamos la memoria a través de la informática. Et donc quand les hommes ont inventé l'écriture, c'était entonces, cuando los hombres inventaron la escritura, pour libérer leur esprit et leur permettre de faire autre chose que de garder en mémoire. Fue para liberar su mente y une multitude d'éléments. Y no tener que guardar en su cabeza una multitud de elementos. C'est ce que font certains d'entre vous ici es lo que ce hacen soir. Algunos de ustedes esta noche, por ejemplo. Plutôt que de répéter dans leur tête toute la soirée trois phrases que j'ai dites. Más que repetir toda la noche tres frases que yo he dicho. Pour ne pas les oublier. Para no olvidarlas. Ils les écrivent. Ustedes las escriben. Et le fait de les écrire évite d'avoir à les mémoriser et à se les répéter sans cesse dans sa tête. El hecho de escribirlas les evita tener que estar memorizándolas en su cabeza. Donc l'écriture, c'est une libération de l'intelligence, de l'esprit, de l'initiative. Entonces la escritura es una liberación de la inteligencia, de la mente. Mais l'écriture, c'est aussi la possibilité. Pero la escritura también es la posibilidad de communiquer à distance. De comunicar en la distancia. De communiquer avec des gens qui ne sont pas là. De comunicarse con personas que no están acá. L'écriture, c'est aussi la possibilité d'améliorer ce que l'on dit et de donner à ce que l'on dit une densité plus grande. La escritura también es una posibilidad de darle a lo que decimos una densidad más importante, corregir lo que decimos. Parce que dans l'écriture, on peut peser chaque mot. En la escritura podemos sopesar cada palabra. Dans l'écriture, on peut minutieusement agencer chaque terme l'un à côté de l'autre. En la escritura podemos minuciosamente administrar y organizar un término al lado de otro. Parce que dans l'écriture, on est toujours plus précis que dans la parole. En la escritura siempre somos más precisos que en el habla, en la palabra. Moi, je suis toujours insatisfait de ce que je dis. Yo siempre estoy insatisfecho de lo que digo. C'est la raison pour laquelle j'écris. Es la razón por la cual escribo. Parce que ça me permet de préciser ce que j'ai dit, de supprimer les malentendus. Es la necesidad de suprimir los malentendidos, de corregir lo que digo. Et puis finalement, l'écriture sur le plan métaphysique, c'est une manière pour l'humain de lutter contre la mort. Y finalmente, la escritura desde el punto de vista metafísico es una manera de luchar contra la muerte. Ce que nous écrivons survit à l'instant où nous l'énonçons. Lo que escribimos sobrevive al instante en que lo enunciamos. Et il y a dans l'écriture quelque chose qui est fantastique sur le plan humain. Y hay en la escritura algo que es fantástico en el plano humano. C'est un outil d'émancipation fabuleux. Es una herramienta fabulosa de emancipación. C'est la raison pour laquelle avec plusieurs collègues. Es la razón por la cual con muchos colegas. J'ai été amené à dire que l'école avait comme premier projet l'entrée dans l'écriture. Yo he dicho que la escuela tiene como primer proyecto la entrada en la escritura.
l'entrée dans l'écriture qui n'est pas simplement le fait de traduire la parole par écrit. La entrada en la escritura que no significa simplemente traducir la palabra mediante la escritura, mais qui est de rentrer dans un monde qui a une exigence d'une autre nature. Sino que es entrar en un mundo que tiene una exigencia de otra naturaleza. Et qui a des possibilités extraordinaires. Y que tiene posibilidades extraordinarias. D'ailleurs, les adolescents le comprennent très bien. Por otra parte, los adolescentes lo comprenden muy bien esto. Ils savent bien que c'est plus facile de rompre une relation amoureuse par écrit que par oral. Saben perfectamente que es más fácil romper una relación amorosa por escrito que oralmente. Et qu'il y a des tas de choses qui sont plus faciles à écrire qu'à dire. Y que hay un montón de cosas que son más fáciles de escribir que de decir. Mais pour autant, sin embargo, pour l'immense majorité des élèves que j'ai interrogés, para la inmensa mayoría de los alumnos que yo he interrogado, ils ne voient pas cette dimension émancipatrice de l'écriture. Ellos no ven en la escritura esa dimensión emancipadora. Ils voient dans l'écriture des épreuves. Ellos ven en la escritura una prueba. Une sorte d'exigence artificielle de l'enseignant. Una especie de exigencia artificial por parte del docente. Qui va les faire souffrir, mais qui jamais ne va leur apporter du bonheur. Que va a hacerlos sufrir y jamás le va a aportar felicidad. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu là-dedans. Pienso que hay un verdadero desafío allí. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de justice sociale très fort. Pienso que hay una cuestión de justicia social muy fuerte. Parce que un certain nombre d'enfants ont eu la chance dans leur enfance, dans leur jeunesse. Porque un número considerable de niños en su juventud. Pas un nombre considérable, un certain nombre. Un cierto número. plutôt pas beaucoup en général. Pas beaucoup, no mucho. quelques enfants ont eu la chance d'être entourés d'adultes. Algunos niños han tenido la suerte de encontrar siendo adultos. Qui exprimaient le plaisir d'apprendre et de comprendre. Que ellos experimentaban el placer de aprender. Mais beaucoup d'enfants n'ont jamais rencontré des adultes qui expriment le plaisir de comprendre. Pero muchos niños nunca encontraron adultos que experimentaron el deseo de aprender. En particulier dans les milieux populaires, dans les milieux difficiles où l'école est souvent associée à l'humiliation. Especialmente en los contextos más desfavorecidos, desfavorables, que la escuela está asociada a la humillación. Et pour ces enfants qui ont toujours vécu avec des adultes pour lesquels apprendre c'était une souffrance et une humiliation. Y para los niños que han crecido siempre junto a adultos para los cuales aprender ha sido una humillación. C'est très difficile d'accepter l'idée que apprendre peut être une source de plaisir. Es muy difícil aceptar para ellos que aprender es una fuente de placer. Et ça, ils ne peuvent l'apprendre qu'à l'école. Y eso, en el único lugar que pueden aprenderlo es en la escuela. Et ils ne peuvent l'apprendre que parce que l'enseignant exprime ce plaisir. Ellos solo pueden aprenderlo porque el docente expresa ese placer. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que l'enseignant ne transmet pas simplement son savoir. Esa es la razón por la cual yo digo que los docentes no, el maestro no expresa solamente su saber. Mais qu'il transmet son rapport au savoir. Sino que él debe transmitir su relación con el saber. Si son rapport au savoir est un rapport vivant. Si su relación con el saber es una relación viva. S'il habite son savoir et si cela se sent, si cela se voit. Si él habita su saber y eso se siente y se ve. Alors l'enfant aura en face de lui un savoir vivant qui donnera envie d'apprendre. Entonces el niño tendrá delante de él un saber vivo que le dará ganas de aprender. Et puis je ferai une dernière remarque toujours sur votre question. Y voy a hacer un último señalamiento. Le Philippe d'aujourd'hui par rapport au Philippe d'hier. El Philippe de hoy en relación al Philippe de ayer. C'est quelqu'un qui a découvert que le monde a changé. Es alguien que ha descubierto que el mundo ha cambiado.
et que en 50 ans les conditions de l'apprentissage ont été complètement modifiées. Y que en 50 años las condiciones para el aprendizaje han sido completamente modificadas. Il y a 50 ans, je croyais que tous les enfants voulaient apprendre. Hace 50 años yo creía que todos los chicos querían aprender. Aujourd'hui, je pense que tous les enfants veulent savoir, mais tous les enfants ne veulent pas apprendre. Hoy pienso que todos los chicos quieren saber, pero que no todos quieren aprender. Et ils veulent savoir sans apprendre. Ellos quieren saber sin aprender. Ils veulent savoir sans apprendre parce que apprendre c'est difficile. Ellos quieren saber sin aprender porque aprender es difícil. Ça demande des efforts, demanda esfuerzo. Ça demande du temps. Tiempo. Ça demande parfois de gâcher du matériel. Requiere buscar material. Alors que savoir tout de suite. Mientras que saber inmediatamente, rápidamente. Ça donne une espèce de satisfaction immédiate. Da una especie de satisfacción inmediata. Alors ils tapent sur un moteur de recherche. Y entonces ellos teclean sobre una computadora. Ils tapent sur Google. Buscan en Google. Et ils croient qu'ils savent. Y entonces creen que saben. Ils ne savent pas en réalité. Ellos no saben en realidad. Parce que le moteur de recherche ne leur donne pas. Porque el buscador no les da. La vérité. No les da la verdad. Ce qui apparaît dans un moteur de recherche, c'est l'attractivité. Lo ce que n'est aparece pas la vérité. En un buscador es lo atractivo y no la verdad. Et il y a des gens qui sont payés pour que des mensonges soient plus attractifs que des vérités. Hay gente que trabaja para que la mentira sea más atractiva que la verdad. Et dans la sphère politique, en la esfera política, le mensonge est parfois plus attractif que la vérité. La mentira es muchas veces más atractiva que la verdad. Parce que le mensonge donne le sentiment que tout est simple. Porque la mentira da la sensación de que todo es simple. Qu'il y a un bouc émissaire. Que hay un chivo emisario. Qu'il y a des solutions faciles. Que hay soluciones fáciles. Et qu'il suffit d'adopter des slogans. Y que es suficiente con adoptar slogans. Et que tous les problèmes seront résolus. Que para que todos los problemas se resuelvan. Et je pense que là, il y a une perversion de l'apprentissage. Pienso que allí hay una perversión del aprendizaje. C'est qu'on donne aux gens le sentiment qu'ils savent. Cuando le damos a la gente la sensación de que ellos saben. Pour qu'ils n'aient pas à chercher. Para que ellos no vayan a investigar, a buscar. Et que l'enjeu majeur des démocraties, y el desafío mayor de las democracias, c'est de transformer le désir de savoir es transformar el deseo de saber en désir de chercher la vérité. En deseo de buscar la verdad. Vous avez entendu parler en France des attentats qui ont endeuillé notre pays. Ustedes han escuchado hablar de los atentados en Francia. Vous savez que nous faisons face aujourd'hui à la montée. Ustedes saben que hoy enfrentamos de ce que nous appelons l'intégrisme islamiste. La subida de lo que llamamos el integrismo islamista, islámico. Et cet intégrisme islamiste utilise beaucoup ce que nous appelons les théories du complot. Ellos utilizan lo que nosotros llamamos la teoría del complot. Les théories du complot qui expliquent que, par exemple, le 11 septembre. La teoría del complot que explica, por ejemplo, que el 11 de septiembre. C'est une manipulation de la CIA. Es una manipulación de la CIA. Ou que Israël a creusé la terre pour y enterrer des bombes atomiques pour faire sauter tous les pays arabes. Israel ha perforado la tierra para guardar allí bombas atómicas. Mais il y a des théories du complot dans tous les domaines sur teorías de complot en todos los campos, en todos los dominios. Le fait que ce soit les martiens qui aient construit les pyramides d'Égypte. Por ejemplo, los marcianos que construyeron las pirámides de Egipto. Ou des théories du complot dans tous les domaines. Teorías de complot en todos los dominios, todos Et los campos. J'ai étudié l'an dernier
comment ces théories du complot qui sont diffusées par Internet. Yo estudié el año pasado cómo esas teorías del complot que son difundidas por Internet. Et en particulier par YouTube. Et en particularmente por YouTube. Sont très séduisantes pour les enfants. Son muy seductoras para los niños. Parce que ça leur donne une espèce de vérité toute faite. Porque eso les da una especie de verdad dicha, hecha, terminada. Ça leur donne des espèces de certitudes. Les da una especie de certidumbre. Qui évite d'avoir à chercher la vérité. Que hace que no vayan, no necesiten ir a buscar la verdad. Et c'est le principe de toutes les superstitions. Ese es el principio de todas las supersticiones. Les superstitions, c'est pareil dans son principe de fonctionnement que la démagogie politique. La superstición es parecida a la demagogia política en su funcionamiento. C'est le fait de donner une théorie simple. El hecho de dar una teoría simple. Séduisante. Seductora. Qui évite d'avoir à chercher la vérité. Que evita tener que ir a buscar la verdad. Et je pense que notre modernité aujourd'hui est menacée par cela. Pienso que nuestra modernidad de hoy está amenazada por esto. Et je pense que les démocraties sont très menacées par cela. Y pienso que las democracias están muy amenazadas por esto. Et elles sont très menacées par ceux qui prétendent donner des certitudes. Están amenazadas por aquellos que pretenden dar certidumbre. Pour éviter d'avoir à chercher la vérité. Para evitar que se vaya a buscar la verdad. Et je pense que l'école a une grande responsabilité dans ce domaine. Que la escuela tiene una gran responsabilidad en este sentido. Elle doit précisément aider les jeunes à sortir. Debe ayudar precisamente a la gente a salir de ce goût pour la certitude facile. De salir de la certidumbre fácil. Pour aller vers la recherche de la vérité, même si elle est plus compliquée. Para ir en la búsqueda de la verdad, incluso si ella es más complicada. Et c'est très difficile d'amener les gens à cela. Es muy difícil llevar a la gente a eso. Parce que toutes les tyrannies, toutes les démagogies Porque vont... todas las tiranías, las demagogias... donnent le sentiment qu'elles ont des certitudes. Dan la sensación de que ellos son certidumbres. Et que ces certitudes résolvent tout. Y que esas certidumbres resuelven todo. Alors que ces certitudes ne résolvent rien. Mientras que esas certidumbres no resuelven nada. Et nous voyons bien que c'est un vrai danger pour les démocraties, cela. Y podemos ver entonces que eso es un verdadero peligro para las democracias. Et que si la démocratie n'est pas accompagnée par un travail éducatif, y si la democracia no está acompañada por un trabajo educativo, par lequel on permet aux enfants, mediante el cual se permita a los niños, de passer du plaisir de savoir au plaisir d'apprendre. Pasar del placer de saber al placer de aprender. De passer du plaisir de la certitude au plaisir de la recherche. De pasar del placer de la certidumbre al placer de la búsqueda. De passer du plaisir du slogan. De pasar del placer del eslogan. À la difficulté de l'engagement. A la dificultad del compromiso. D'un engagement concret dans la complexité. De un compromiso concreto con la complejidad. Alors on va avoir des vagues où les démocraties seront emportées par la démagogie. Entonces vamos a tener olas en que las democracias van a ser arrasadas por la demagogia. Et le Philippe d'aujourd'hui, pour reprendre votre expression. El Philippe de hoy, para retomar tu expresión. Il est très inquiet de ce qui se passe. Está muy preocupado por lo que ocurre. Il est très inquiet de voir qu'il peut y avoir une conjonction. Está muy preocupado de que pueda haber una conjunción. Entre un certain usage d'Internet et des réseaux sociaux. Entre un cierto uso de Internet y de las redes sociales. Un certain usage de la démagogie politique. Y un cierto uso de la demagogia política. Et une fascination pour les superstitions
ou les facilités de pensée les plus dangereuses. Una fascinación por la superstición o la facilidad de pensar que es muy peligrosa. Donc je suis de plus en plus persuadé que l'enjeu éducatif, il est structurellement essentiel dans les démocraties. Entonces estoy cada vez más persuadido de que el reto pedagógico es esencial para las democracias. Donc je suis plus inquiet, mais entonces estoy muy preocupado, mais je suis quand même très optimiste. Pero también soy optimista. Parce que je crois que les enseignants sont de plus en plus conscients de cet enjeu. Porque creo que los docentes son cada vez más conscientes de este desafío. Et j'espère qu'ils réussiront à sauver nos démocraties. Y espero que tendrán éxito en salvar la democracia. Contre tous les charlatans politiques et religieux. Contra todos los charlatanes políticos y religiosos. Muchas gracias. Y voluntariamente hice un conflicto sociocognitivo. Pequeño lo que voy a decir. Buenas tardes. Usted habló recién de dos eslogans, que los eslogans son una prevención del aprendizaje. Nosotros acá en CABA, y creo que a futuro, son una prevención del aprendizaje. En CABA, y supongo que a futuro, en todo el país, tenemos dos ejemplos de esos eslogans. Uno es la Escuela del Futuro, que busca docentes facilitadores, con estudiantes que se fascinen con la tecnología. Y por el otro lado, la destitución a mediano y corto plazo de 29 institutos de formación docente que van a ser transformados por una universidad de la Ciudad de Buenos Aires con contenidos que todavía no sabemos, con un perfil de docentes que no sabemos, y admiro su optimismo, pero en general los docentes de CABA estamos bastante pesimistas frente a las propuestas políticas que estamos viviendo. Alors, je ne peux pas trop commenter ces propositions politiques parce que je suis déjà bien occupé avec l'étude de ce qui se passe en politique en Europe. No puedo dar mucha respuesta a estas propuestas políticas o explicación porque estoy ya bastante preocupado por lo que está ocurriendo en Europa en este sentido. Mais je pense que tout cela participe d'un même mouvement. Pero creo que todo esto participa quizás de un mismo movimiento. C'est ce que j'avais envisagé de préciser ce soir et que votre question me donne l'occasion d'expliquer. Esto me lo había planteado esta noche como tema y su pregunta me da la ocasión de explicitarlo. Yo creo nous sommes en train de vivre un changement de paradigme éducatif. Estamos viviendo un cambio de paradigma educativo. Ce paradigme éducatif nouveau qui est en train de qui est en train d'advenir sur l'ensemble des pays développés. Que está ocurriendo, que está llegando, planeando sobre el conjunto de los países desarrollados. C'est celui de ce que l'on appelle l'école efficace. Es el de eso que llamamos o que llaman la escuela eficaz. C'est une école qui ne se pose plus la question des finalités. Una escuela que ya no se plantea la pregunta de los fines, mais qui se pose exclusivement la question de ce que l'on peut mesurer dans les apprentissages pour le comparer entre les individus. Lo que podemos medir en los aprendizajes pour le comparer entre les groupes, entre les enseignants, entre les états, grupos, entre los distintos grupos, entre los docentes y entre las distintas etapas. L'hégémonie des comparaisons internationales et des tests standardisés. La hegemonía de las comparaciones internacionales y de los tests estandarizados. C'est
la victoire de la pédagogie bancaire dont parlait Paulo Freire. Es la victoria de la pedagogía bancaria de la que hablaba Paulo Freire. Pour pouvoir comparer les élèves, les professeurs, les classes, les écoles, para poder les comparar états, los alumnos, los profesores, los cursos, las escuelas et les états, y los estados, il faut une monnaie. Hace falta una moneda. Une monnaie identique. Una moneda idéntica. Alors, en Europe, nous avons l'euro comme monnaie. Allá tenemos en Europa el euro como moneda. Et tous les systèmes éducatifs. Y todos los sistemas educativos mondiaux, ils ont une autre monnaie. Tienen otra moneda. Qui s'appelle PISA. Que se llama PISA. Et c'est une monnaie. Y es una moneda. C'est une monnaie pour comparer. Es una moneda para comparar. C'est une monnaie pour échanger. C'est une monnaie pour classer. Intercambiar, para clasificar. C'est une monnaie qui impose que tout le monde fasse à peu près la même chose. Una moneda que impone que todos hagan más o menos lo mismo. Pour que on puisse classer les gens et les comparer entre eux. Para que podamos clasificar a las personas y compararlas entre ellas. Et c'est une monnaie qui réduit les finalités des systèmes éducatifs. Y es una moneda que reduce los fines de los sistemas educativos. À des compétences standardisées, identiques et comparables. A competencias estandarizadas, idénticas y comparables. Et tout ce qui n'est pas quantifiable, identique et comparable. Y todo lo que no es cuantificable, idéntico y comparable, c'est secondaire. Es secundario. Nos collègues américains, nuestros colegas norteamericanos, des États-Unis, de los Estados Unidos, disent que depuis 25 ans, 30 ans, qu'ils sont complètement envahis. Que de tests standardisés. Desde hace 25 o 30 años están invadidos por todas partes por los tests estandarizados. Ils décrivent le phénomène qu'ils vivent comme teaching by testing. Y describen eso como teaching by testing, ese fenómeno. On enseigne pour les tests. O sea que estamos enseñando para los tests. Et tout ce qui n'est pas testé n'est pas enseigné. Todo lo que no se puede testear, lo que no se puede medir, no se enseña. Donc, la creatividad, por ejemplo, la autonomía, la solidaridad, tout ça, ça n'est pas enseigné parce que ça n'est pas quantifiable et que ça n'est pas mesurable par des tests. Enseña, todo eso nos enseña porque no es cuantificable y no es mensurable por medio de test. Le nouveau paradigme éducatif, c'est bien la pédagogie bancaire. Y el nuevo paradigma educativo es en realidad esa nueva pedagogía bancaria. C'est bien la pédagogie qui réduit le savoir scolaire à des marchandises. Perdón. C'est la pedagogía que reduce los saberes escolares a des marchandises, a mercaderías. Voilà. Et qui fait que pour comparer, il faut tous faire la même chose. Y eso hace que para comparar tenemos todos que hacer lo mismo. Et donc on va aussi vous imposer les bonnes pratiques. Entonces les van a imponer, nos van a imponer a todos las prácticas correctas. C'est-à-dire les pratiques qui ont été étalonnées en laboratoire. Las prácticas que fueron verificadas en laboratorio, clasificadas. Et dont on considère qu'elles sont uniformément bonnes. Y que son uniformemente correctas, buenas. C'est tout un processus auquel nous assistons dans le monde entier. Es un proceso al cual estamos asistiendo en todo el mundo. Que j'appelle la prolétarisation des enseignants. Que yo llamo la proletarización de los docentes. Karl Marx n'a pas dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Porque Marx no dijo que los obreros eran proletarios. Marx a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés par le capitalisme. Marx dijo que los obreros habían sido proletarizados por el capitalismo. ¿A quel moment ils ont été prolétarisés? ¿Y en qué momento fueron proletarizados?
Quand le capitalisme a inventé la machine-outil. Cuando el capitalismo inventó la máquina herramienta. Et quand le capitalisme a investi dans la machine-outil. Y cuando invirtió mucho en esa máquina. Et la machine devait tourner toute la journée, 24 heures sur 24. La máquina debía trabajar las 24 horas del día. Et donc l'ouvrier devait travailler aussi toute la journée, 24 heures sur 24. Entonces el obrero también tenía que trabajar las 24 horas. C'est ce que nous avons appelé les 3-8, les 3x8. Es lo que llamamos las 3x8, 3 veces 8. Et ce que Marx analyse là, c'est une inversion du rapport entre la machine et l'ouvrier. Y lo que analiza Marx es la inversión entre la relación entre la máquina y el obrero. L'ouvrier dans la société pré-industrielle, el obrero en la sociedad pre-industrial, avait des machines à son service. Tenía máquinas a su servicio. Et dans la société industrielle, il devient au service de la machine. En la sociedad industrial, él se debe ponerse al servicio de la máquina. Et ce que j'observe dans les institutions scolaires internationales, lo que observo en las instituciones escolares internacionales, c'est que en même temps que l'on cherche à développer la formation des enseignants, es que al mismo tiempo que se busca desarrollar la formación de los docentes, les systèmes éducatifs attendent de plus en plus des enseignants, los sistemas educativos esperan cada vez más de los docentes, qu'ils soient prolétarisés pour préparer les résultats de la machine école. Deben ser proletarizados para llegar y esperar los resultados de la máquina escuela, de la maquinaria escuela. Et en France, par exemple, en Francia, tomado el por ejemplo, les enseignants passent un temps considérable à remplir des tableaux Excel. Los docentes pasan un tiempo muy considerable completando planillas Excel. Et l'évaluation est devenue l'activité principale. L'évaluation se convirtió en la actividad principal. Il y a quasiment plus de temps pour apprendre puisqu'on évalue tout le temps. Ya casi no hay tiempo para aprender porque uno se la pasa evaluando. Et on évalue tout le temps pour savoir si les élèves sont à leur place ou s'il faut les envoyer ailleurs. Uno evalúa para saber si los alumnos están bien allí donde están o si hay que mandarlos a otro lado. Et tout cela au détriment de la formation à la citoyenneté. Y por supuesto eso va en detrimento de la formación para la ciudadanía. Alors bien sûr, le politique continue à, nous disons, déblatérer en France, mais on pourrait dire à parler, à expliquer. Los políticos, en todo caso, siguen parloteando sobre des grandes idées générales et généreuses. Grandes ideas generales y generosas. Mais la réalité des politiques, pero la realidad de los políticos, ce ne sont pas la mise en œuvre de ces idées. No, la constituye en realidad la puesta en práctica de sus ideas. C'est la mise en place d'une structure technocratique de contrôle. Sino la instalación de una estructura tecnocrática de control. Alors, je pense que les enseignants peuvent résister à cela. Yo creo que los docentes pueden resistir. C'est resistirse a eso. Parce que dans leur classe, porque en sus clases, en sus grupos clase, ils ont le pouvoir. Tienen el poder. Et ça, tous les dirigeants du monde ne pourront pas l'empêcher. Y todos los dirigentes del mundo no van a poder impedir. Quand vous avez des élèves, cuando ustedes tienen alumnos, c'est vous qui faites la classe. Ustedes son los que dan clase. Et c'est vous qui pouvez avec eux leur faire découvrir le plaisir de comprendre. Y ustedes son los que pueden junto con ellos hacerles descubrir el placer de comprender. Et si l'institution ne veut pas assumer une formation professionnelle solide, y si la institución no quiere asumir una formación profesional sólida, il faudra prendre le relais par une formation qui sera effectuée par les enseignants eux-mêmes, entre les enseignants habrá eux-mêmes. Habrá que reemplazar eso por una formación que será llevada adelante por los docentes mismos.
une formation qui sera effectuée par la coopération entre les enseignants. Una formación que será el resultado de la cooperación entre los docentes. La coopération entre les enseignants, c'est ce qu'il y a de plus subversif par rapport au paradigme technocratique. Esa cooperación entre los docentes es lo más subversivo que uno puede imaginarse con respecto a ese a esos parámetros. Vous avez employé un mot là? J'ai employé le mot technocratique. Technocratique. Parámetros tecnocráticos, perdón. Et donc il faut mettre en place la coopération entre les enseignants. Y por lo tanto hay que instalar la cooperación entre los docentes. Face à une institution qui veut isoler et mettre en concurrence. Frente a una institución que quiere aislar y poner en competencia o hacer entrar en competencia. La cooperación c'est la meilleure manière de résister. La cooperación es la mejor manera de resistir. Je m'arrête sur cette question-là. On va prendre une dernière question. Sobre esta pregunta, quizás podemos hacer una más. Ahora sí. Bueno. Sí. Buenas noches, antes sí, que nada. Mi pregunta tiene que ver con el desarrollo que ha hecho hoy en relación a esta epistemología de la pedagogía que nos ha transmitido. Y dos categorías, ha mencionado muchas, pero dos categorías que me interesan particularmente. Una es la de colectivo y otra es la de los lugares comunes. Y entonces le quiero preguntar si cuáles son las dimensiones, aunque sea nombrarlas, las dimensiones, sí, entre una y otra, porque dado mi trabajo en diferentes niveles y modalidad del sistema educativo, a veces esos lugares comunes no son los más lúcidos dentro de las instituciones. Y me pregunto, bueno, no, casi, ¿cuál es la relación directa, indirecta, entre una cosa y otra, si es que la hay? Y si hay trabajos suyos en relación a eso, que yo desconozco, y que me permitieran profundizar esta pregunta. Je n'ai pas bien compris votre question, je suis désolé. No entendí demasiado su pregunta. Je ne sais pas si Alexandra peut reprendre la formulation. Alejandra, y a eso en realidad sumado que la escuela es una es un colectivo. Esperen. No lo pensaba como un espacio, como dice la compañera, sino como un colectivo diferente a una masa, un colectivo docente donde circulan una cantidad de relaciones, imaginarios, representaciones y discurso. A eso me refería. Je pense avoir un petit peu compris la Creo question. Haber entendido algo. Je ne pourrais peut-être pas répondre complètement, mais a lo mejor no voy a poder contestar íntegramente. S'il y en a qui reviennent demain, j'aurai réfléchi. Pero si algunos vuelven, algunos de ustedes vuelven mañana, seguramente habré reflexionado sobre esta pregunta. Je crois que il faut distinguer. Creo que hay que distinguir ce qu'on pourrait appeler les groupes fusionnels. Lo que podríamos hablar los grupos fusionales. Ah, pulsion. Non, fusionnels. Fusionales. Los grupos fusionales. Ce sont des groupes qui sont sous l'autorité d'un leader. Que están bajo la autoridad de un líder. Ou qui partagent une même idéologie simple.
simplificatrice, comme nous l'avons dit tout à l'heure. O que comparten una misma ideología simplificadora, como lo dijimos hace un rato. Avec des collectifs démocratiques. Con colectivos democráticos. La caractéristique des collectifs démocratiques, c'est qu'ils pratiquent le débat. La caractéristique de los colectivos democráticos es que ellos practican el debate. Le débat, c'est la caractéristique même de la démocratie. El debate es la característica propia de la democracia. Le débat, ça consiste à accepter. El debate consiste en aceptar. De soumettre son point de vue. El someter nuestro punto de vista. Au point de vue et à l'analyse des autres. A la consideración, al análisis, al punto de vista de los otros. Ce débat-là, on peut le faire avec les élèves. Podemos hacerlo con los alumnos. Mais ça n'est pas une simple discussion amicale. No es una simple discusión amistosa. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la pratique du débat avec les élèves en classe. Mucho sobre la práctica del debate con mis alumnos en clase. Et j'ai montré qu'il fallait des rituels extrêmement rigoureux. He demostrado que había que llevar adelante rituales muy rigurosos para eso. Par exemple, bien sûr, le débat suppose que l'on n'interrompe jamais quelqu'un qui parle. El debate supone, por ejemplo, que no vamos a interrumpir a alguien que está haciendo uso de la palabra. Mais on va plus loin. Pero más lejos todavía. Moi, dans les règles du débat, en las reglas del debate, j'impose qu'avant de contredire quelqu'un, yo impongo que antes de contradecir a alguien, on reformule ce qu'il a dit pour voir si on a bien compris ce qu'il a dit. Uno reformule lo que el otro dijo para ver si realmente entendió lo que aquel dijo. Ensuite, j'impose dans la pratique du débat, e impongo luego en la práctica del debate, qu'on distingue les faits et les jugements. Que se distingan los hechos y los juicios. Les faits, c'est ce qui est établi et sur quoi tout le monde est d'accord. Los hechos son aquello que está establecido y sobre lo cual todos están de acuerdo. Les jugements, ce sont des jugements qui sont toujours différents selon les personnes. Los juicios son diferentes según las personas. Et les arguments pour discuter des faits ne sont pas les mêmes que les arguments pour discuter des jugements. Y los argumentos para discutir los hechos no son los mismos que los argumentos para discutir los juicios. Dans le débat, j'impose que régulièrement on s'arrête. En el debate impongo que regularmente nos detengamos. Et qu'on écrive au tableau. Y que escribamos en el pizarrón. Qu'est-ce que on a établi et sur quoi on est d'accord? ¿Qué cosas fueron establecidas y sobre qué cosas estamos de acuerdo? Et sur quoi on est en désaccord? ¿Y sobre cuáles estamos en desacuerdo? Et c'est comme cela qu'on progresse avec des élèves quand on pratique le débat. Y de esa manera progresamos, vamos adelante con los alumnos cuando practicamos un debate. Et avec les élèves, quand on pratique un débat, il faut s'arrêter régulièrement. Entonces, con los alumnos, cuando practicamos un debate, pour que chacun puisse écrire. Hay que detenerse regularmente para que cada uno pueda escribir. Et préparer ce qu'il va dire dans sa tête. Preparar en su mente lo que va a decir. Donc, vous voyez que le débat, ça n'est pas une discussion sympathique dans un café. Ven que el debate no es una discusión simpática en un café. Le débat, c'est un exercice très structuré. Es por el contrario un ejercicio muy estructurado. Et ce débat démocratique. Y ese debate democrático. C'est ça qui constitue un collectif. Es lo que constituye un colectivo. Un collectif où il y a respect de chacun. Un colectivo donde existe respeto por cada uno. Mais où il y a aussi du commun qui est construit. Pero donde también hay una construcción de lo común. C'est-à-dire où on élabore des choses qui seront des choses communes. Elaboramos cosas que son cosas comunes. A partir de points de vue individuels. Elementos comunes a partir de puntos de vista individuales. Et je crois que pour les enseignants,
c'est très important que la formation professionnelle. Y creo que para los docentes es muy importante que la formación profesional introduise la pratique de ce type de débat. Introduzca la práctica de ese tipo de debates. Avec beaucoup de rigueur. Con mucho rigor. Il faut se mettre autour d'une table quand on est 15 ou 20. Hay que sentarse en torno a una mesa, seamos 15 o 20. Il faut écrire les règles du débat. Hay que escribir cuáles son las reglas del debate. Et il faut respecter les règles du débat. Y hay que respetarlas. Et il faut indiquer à la fin du débat à quoi on a abouti. Y hay que al final del debate hay que escribir, hay que anotar a qué punto llegamos, a qué llegamos en ese debate. Nous sommes très loin de collectifs fusionnels où fonctionnent les phénomènes d'emprise. Estamos muy lejos de colectivos fusionales donde funcionan los fenómenos de captación, d'emprise, de captación. De posesión. Et ça, c'est aussi un enjeu fondamental pour la modernité, qui est de. Y también eso es un reto fundamental para la modernidad. Qui est de construire des lieux de débat démocratique. Que consiste en construir lugares de debate democrático. Parce que sans cela, nous aurons que des groupes fusionnels. Porque si no, tendremos nada más que grupos fusionales. Qui seront emportés par la démagogie ou par la violence. Que serán arrastrados por la demagogia o por la violencia. Si vous voulez bien, on va s'arrêter à cette question. Si a ustedes les parece bien, podemos parar aquí con estas preguntas. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Y nos vamos a interrumpir hoy la sesión de hoy. Et pour ceux qui en veulent encore. Y para los que quieren algo más. On va se retrouver demain à 17h. Nos vamos a encontrar mañana a las 17. Mais on va essayer de commencer à 17h. Pero a las 17. Para todos. Et là, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous buenas noches. Y les deseo a todos buenas noches. Bonsoir. Merci beaucoup.